Je lance les gars. Non, t'inquiète, t'inquiète. Pourquoi il y a l'animation de première mi-temps? Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas et pas que. Dernière manche, enfin avant la finale, donc il y a quatre nouveaux candidats, on les connaît à travers leur page, leur Twitter, les amis, donc je vais les présenter, et j'ai appris à l'instant qu'il y avait deux Marseillais, donc c'est compliqué. Salut Nico, donc t'es entouré, hein. Salut Nico Ah ouais. de Paris Fan, comment tu Eh vas? ben bonsoir, ouais, je suis entouré, ils sont marseillais, mais ils sont quand même gentils, donc ça va être une bonne soirée. Et en Ouais, plus, il y a Rota aussi, qu'il faut pas oublier, hein, non c'est plus, ça mais exactement. voilà. Salut Rota, justement, de la page et du compte Twitter et d'Instagram, de tout Real France, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, bonjour à tous d'ailleurs. Hop, Tom du peuple olympien, bon évidemment, on va pas non plus trop dire pour un, hein, pour qui t'es, hein, t'es forcément du Olympique de Marseille, comment tu vas? Ça va très bien. Bah, écoute, pour répondre à Nico, bon, je suis Marseillais, je suis très gentil, mais quand je rentre sur le terrain, je suis plus le même par contre. Hein. Oh là Attention. là. Le classico est chaud, les amis. Le classico est chaud. Et Max du Tumeau Diaz, comment tu vas, l'ami? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Ravi d'être là. Et supporter de quelle équipe, du coup, toi? De l'OM. De l'OM, d'accord. Donc il y a De l'OM. deux Marseillais en bas, un supporter du Real et un supporter de Paris. C'est quand même chaud. Ça, c'est une grosse ambiance. Tu m'étonnes. Salut sur le chat aussi. Salut Top 5 Continuo qui fait les pénalties. Salut SZB, l'évêque Aurélien, Ramid Ben Marfoud, Florian, ils sont tous là. El Kavin, Nathan Officiel, Team GMT, Alpha Niang, Donovan, c'est cool, c'est cool. Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, les gens sur le chat, et mettre le petit like qui va bien, évidemment. On va commencer dans pas longtemps. Il y a donc des 11. Évidemment, il y aura des questions, tu prends, tu refours. Ah oui, j'ai Rota, donc j'explique comme ça en direct. Il y a des 11, chacun son tour, soit des questions en chair, t'as des noms ou pas, t'as des qui suis-je à l'envers. Voilà. Tu vas voir, c'est cool. Ok. Ça se passe bien, c'est pas trop compliqué, t'inquiète pas. Salut Thomas Trop compliqué. 21. Non. Allez, Rota, la team. Tiens, mettez pour qui vous êtes sur le chat, les amis. Mettez pour qui vous êtes, tranquillement. Salut, salut. Allez, on est parti. Pour la première mi-temps, les amis. Hop, 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 la première mi-temps. On va la faire comme ça. Mathieu, salut Incognito Magique. Ah, ils sont chauds pour se défendre. Donc, en finale, il y a Loguito du Barça. Il y a Romain Débrief Prono Foot de Lille. Il y a un Strasbourgeois avec Julien Bien. Et il y a un Marseillais déjà avec Lucas de One Football. Donc c'est déjà chaud, les amis. C'est déjà chaud. Allez, on y va avec donc la première mi-temps. On est parti. Petit jingle s'il arrive ou pas, c'est pas grave. Le jingle, il n'est pas là, première mi-temps? Alors, on va commencer par un 11. Je sens le stress direct. Attends. Non. Concentration. Je sens le stress direct. Alors, la question numéro 1, on va la faire comme ça, ici. Voilà, question d'actu ou pas? Non, pas du tout. La compo de Dortmund face au Real en demi-finale retour de Champions League 2012-2013, le 4-1. Les 11 qu'il y a ce soir, c'est Anthony de Wiswage. Merci à Wiswage, aussi, chaussures anti-blessure made in France. Il y a tous les petits coupons et réductions dans la description. Et évidemment, One Football qui sponsorise et qui diffuse en même temps sur l'application. Alors, la compo de Dortmund face au Real en demi-finale. Retour de Champions League 2012-2013, 4-1. Qui c'est qui est le plus jeune? Ça va être Tom qui est le plus jeune, hein? J'ai 18 ans, je sais pas quel âge 18 ans, j'en Nico, t'as quel ai. âge? Oh là là là, mon Moi je Dieu. suis à 26. Ouais. Rota, t'as quel âge? 31 ans. 31 ans. Donc c'est Tom qui va commencer. T'as combien de noms, l'ami? Allez, je vais partir sur, allez, on va dire 5. 5 noms déjà. 5 noms. Donc Max, est-ce que t'as plus ou pas? Je pense pas, non. Non, on reste sur 5. Nico? Ah non. Non, Voilà. déjà non, non, non. Non, Dortmund. Oh non. Rota, est-ce que t'as plus ou pas? C'est un mauvais souvenir, ouais, je dois en avoir 4-5, peut-être 6, je sais pas, ouais. Peut-être 4-5, allez, je dirais. Pas plus. Est-ce que t'as 5? Est-ce que t'égalises à 5 pour voir pour aller avec Non, Tom? je le laisse sur les 5. Tu laisses sur les 5? Ouais. Ok, donc t'es tout seul, Tom. Donc si tu réussis pas. Les autres marquent des points. Attention. La C'est pression. bon?
Vas-y, on t'écoute. 5 noms. Alors, Lewandowski. Lewandowski, c'est bon. Subotic. Subotic, c'est bon. Gundogan. Gundogan, c'est bon. Je parle. Wenderfeller. Ouais, c'est bon dans les buts, Wenderfeller. Attention, un dernier. Allez, je tente, même si je sais pas s'il était blessé. Marco Reus. Reus, c'est bon. Bravo. Oh. Hein. Chaud dès le début, là, le Tom. Hein. Ça commence dur. Bravo, premier point pour le Marseillais direct. Donc, la compo, les amis, c'était Wenderfeller, Schmelzer, Hummels, Subotic, Piszczek, Gundogan, Bender, ouais. Blaziszkowski, Marco Reus, ouais, Götze et Lewandowski. C'était quand même une super belle team. N'oublie pas que c'est une équipe que l'OM a battue un an avant, 3-0 et... Vélodrome, 2-3 au Signal Iduna Park. C'est ça, exactement. C'était une belle année, ça. On continue avec la compo du Brésil contre l'Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde 2014, le fameux 7-1. On va commencer par le deuxième plus jeune, par Nico, dès que t'auras des noms, l'ami. La compo du Brésil-Allemagne en demi-finale. Mais réfléchissez, vous inquiétez pas. Ah. Réfléchissez, vous pouvez réfléchir tranquillement. Les joueurs remplaçants, ça compte ? Non, c'est le 11 titulaire. Même pas ceux qui sont rentrés ? Non. Le mec, il essaye de gratter, tu sais. Parce que je m'en souviens, il y en a un qui, je crois qu'il est rentré, il a marqué en plus. Non, malheureusement. Là, comme ça, je dirais 3, moi. 3 ? Ouais, pour commencer gentiment, on va dire. 3 pour Nico. Pour Rota, t'en as combien ? 3 aussi, je pense. 3 pour Rota, Max. On est bien sur les Allemands, uniquement sur les Allemands. Non, sur les Brésiliens, tu m'as dit. Ouais. Du Brésil. Non, bah, on va dire 4, on va tenter. Donc 4 pour Max, pour l'instant, c'est lui qui a le plus. C'est lui qui a renchéri. Est-ce que Nico t'égalise à 4? Ça me vient pas, c'est terrible. Je sais que plus ou moins j'en connais normalement, mais là. Non, le quatrième, je trouve pas. Non, bon, 4 pour Max, Rota. Ouais, je vais tenter 5. Ouh, d'accord, l'enchère est mise à 5. Donc il est en tête. Tom, t'en es où toi? Moi, je pense que je vais en prendre 5. 5 aussi, donc c'est égalisé. Max, c'est égalisé à 5 ou pas? Allez. Quelqu'un tente 6? Allez, je tente. Rota tente 6. Il est chaud. Alors, je laisse la main. Tu peux noter si on les a en tête. Hein. Ouais, on peut noter. Ah oui. Pour l'instant, on est à 6, les amis. Sur le chat aussi, il y en a qui l'ont pas mal. Hop. Ces questions sont assez dures. Anthony, il a été chaud. Alors, je vais vérifier un petit peu ce qu'il y a sur le chat. Non, je ne sais pas. Salut Red Gaming. Salut Ligue 1. La Ligue 1 aussi qui va. Enfin, décision du Conseil d'État lundi, mardi. C'est sans fin ce truc-là, putain. Non, mais faut que ça s'arrête. Quand j'ai vu ça, j'ai fait. C'est très bien d'ailleurs, ça s'arrête. Ouais. Ah oui, bah oui, toi, oui. Les Marseillais sont contents. Les Rennais aussi. Nous, on s'en fiche, mais dans l'idée, faut s'arrêter. Sur le chat, il y en a qui en ont 7. Pour l'instant, on retourne à 6. 6. Max aussi. Tom. Non, je pourrais pas arriver à 6. Non, pas avec certitude. Donc, 6 ouais. Pour Rota, 6 pour Max. 7, même 8, je pense. 8 pour Max. Ouh là là là. Non, pour Rota. 9 pour Rota. 8, j'ai dit 8. Donc, 8 Rota et Max, on a combien? 7, 6, je dis 8, et que Rota se plante avant moi, est-ce que c'est moi qui prends les points? On verra si tu finis, non, on verra si tu finis justement. Ah, faut finir, ah oui, faut finir, finir ce qu'on annonce. Sinon, ouais, sinon c'est trop facile. j'essaie, non, on va rester, non, j'ai 7. 7, et Rota t'en as?
8, j'espère. Okay. 8. Bon, on écoute Rota, donc si t'as le point, tant mieux pour toi. Sinon, c'est pour les autres, hein. Évidemment. On t'écoute. Alors, Julio César dans les buts. Alors, Julio César dans les buts. Attends, hop, je me mets sur le bon truc, parce que j'ai pas le bon truc. Oui, c'est bon. David Luiz, Dante, je pense, c'était dans l'axe. Ouais. Luis Gustavo. Gustavo, c'est bon, on est à 4 pour l'instant. Hulk. Hulk, c'est bon à droite, ouais, on a 5. Bernard. Bernard, c'est bon. Maicon. Maicon, c'est bon sur l'aile. Oscar. Oscar numéro 10, c'est bon. Fred. Fred, c'est bon. On est à 8 ou pas? Ouais, on est à 8, ouais. Bravo. Ça peut-être. Ah, ouais. Fernandinho, Fernandinho était là aussi, ouais. Et Hulk, j'ai dû le dire, je pense. Ouais. Et il y avait Marcelo sur la gauche, sinon. Ok, ouais. J'ai pas cité le Madrilène, ça. C'était une petite équipe, quand même. C'était une toute petite équipe, ouais. Ouais. 7-1, ouais. Ah, ils avaient pris une tour, là, putain, avec les larmes. Ouais, c'était... Ah, c'était triste, hein. Ah, il était pas titulaire, d'ailleurs. Pourquoi il avait plus resté aussi? Il était pas titulaire, il était blessé, je me souviens un peu. C'est que c'est vrai, il était suspendu. Suspendu, ouais. Et... Il a quand même Neymar pleuré. Blessé. Neymar était blessé. Neymar blessé. Donc un point pour Rota, un point pour Tom. On est à 10 minutes du temps de la première mi-temps. Et ouais, il y a du level, on m'avait dit. Marcelo était à gauche, ouais. Bon anniversaire Thomas. Tom, peuple olympien, c'est ton anniversaire? Non, pas du tout. D'accord. Non. Bah, bon anniversaire Thomas quand même. Et offrez-moi des cadeaux quand même, hein, si vous voulez. Exactement. On va faire un autre 11, après on passera un petit qui suis-je, les amis. Bon, ça va, il faut que Max et Nico se réveillent un petit peu. Ah, c'est l'échauffement. Après. Non, on se méfie des remontadas. Hein. Ouais, voilà, on y va doucement. C'est ça, exactement. Alors, on continue avec la question numéro 2. Alors, la compo de Monaco, plus dur. Face à la Corogne, en Champions League 2003-2004, le 8-3. Ah. Ah. Prenez votre temps. Monaco, pas la Corogne. Hein. Monaco, ouais, ouais, non. La Corogne, c'était compliqué quand même. Je me rappelle de Pandiani qui l'aurait fait mal pendant. L'entraîneur, ça compte? Non. Les mecs qui grattent à tout prix, tu sais. Fou. En plus, je crois. Ouais, c'est Juventus qui dit c'est dur, tu m'étonnes. Ah ouais. C'est Dante de Nice qui avait remplacé Thiago Alves. Thiago Silva, ok. Et Bernard, il a disparu de la circulation en fait, le joueur. En fait. Je vais vous poser la question. Je crois qu'il est parti en première ligue. Everton, non? Ouais. Ouais. Bon, après. On t'a plus parlé de lui, mais. Non, pas une grosse carrière. C'est dur là. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Vous en avez combien là? Qui c'est qui est. Max, t'en as combien? 9. Tu vois, quand même. Mettre... Allez. 9. Voilà. Nico, t'en as combien? Ah, pas 9. Rota? Voilà. J'en ai 9 aussi pour le moment. 9 aussi, Rota, il y a 2 levels. Hein. Tom? Ouais, j'en ai pas plus de 4 pour l'instant. Donc pour l'instant c'est à 9 Rota et Max. Est-ce qu'il y en a un dixième dans l'eau ou pas? Ouais, ouais. Tu m'en demandes beaucoup là. Hein. Peut-être 10. Ah, déjà 9. On est pas bateau 11 en même temps. Hein. Donc 10 pour qui? Pour Max? Rota. Pour Rota, 10 pour Rota. Moi il y en a un que j'ai pas, c'est sûr. Le deuxième j'ai peur. Mais on va dire 10, hein. De toute façon je suis en retard. On va tenter. Rota, tu tentes le truc titulaire ou pas? J'ai un doute avec. Compo de Monaco face à la Corogne, le 8-3. J'ai un doute sur le gardien, je pense que je l'ai pas, mais. On reste à 10 et je tente le 11, allez, je tente le tente. Le 11. Max, t'es. Ouais. Non? Bah, si, je suis en retard. Ouais, c'est à qu'un point, hein. Tu peux le marquer s'il score hein, aussi.
Mais bon. Non, mais allez, on y va. Bon, vous tentez à 11, du coup, c'est chacun son tour, du coup, les gars. Un joueur chacun. Donc celui qui se plante, c'est terminé. Rota. Commence. Ouais. Perso. Dado perso, c'est bon. Quadruplé. Max. Evra. Patrice Evra, c'est bon. Rota. Roten. Jérôme Roten, c'est bon. Buteur aussi. Julien Rodriguez. Rodriguez dans l'axe, c'est bon. Rota. Gaël Givet. Givet, latéral, c'est bon. Toto Skilacci. Toto Skilacci, c'est bon. Donc on a la défense Givet, Skilacci, Rodriguez, Evra pour l'instant. Perso, Roten. Julie. Ludo Julie, buteur, c'est bon. Roma, au goal. Je voulais le sortir en dernier, mais les autres, je suis pas sûr. Flavio Roma, c'est bon. Rota. Bernardi. Bernardi, c'est bon. Ancien Olympien, Edouard Cissé. Cissé, c'est bon, buteur. Et le dernier, Plasil. Plasil, c'est bon. Deux points, un point chacun. Putain, il y a du niveau de ouf, les gars. Moi, je suis content. J'en mets 5-6 sur ma feuille. Il annonce 9. Vas-y. J'ai le droit de dire que j'avais pas Plasil ou... Ah oui, mais non, de toute façon. Moi, c'est Roma que j'hésitais. Je l'avais, mais quand tu l'as dit, ça m'a soulagé. J'avais plus si c'était Roma. J'hésitais avec Ibarra aussi, mais Ibarra, c'est... Ouais, c'est vrai. Et, ou alors il était peut-être dans l'effectif, mais remplaçant, je sais pas, mais je pense que c'était un peu plus. Donc, premier point pour Maxime. Ultimodia, c'est quoi en gros? C'est généraliste ou il y a. Non, c'est un site d'info généraliste. Un petit peu, on s'est inspiré quand on l'a créé de SoFoot et des Cahiers du Foot, ouais. Qui sont pour nous les deux références. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on est là, ça marche plutôt bien. Et ouais, on distribue un peu de l'info pour tout le monde tous les jours. Depuis 5 ans, donc ça fait d'où les cernes aussi. Mais parfait. On va faire un petit qui suis-je, les amis. Ah. Là, c'est rapidité. Là, c'est on donne son prénom et après vous dites. Mais je vous conseille d'écouter. Enfin après, si vous avez deviné le nom, vous dites oui. Mais je vous conseille de quand même d'écouter assez. Ok. Alors. Donc vous donnez votre prénom et après on arrête, évidemment. Formé au Barça d'abord comme attaquant. Vous m'entendez bien, hein? Ouais. Je descends d'un cran car je suis catalogué comme pas très rapide, mais surtout avec une science innée de la passe. Je débarque à Arsenal à 16 ans. Fabregas, Maxime. Il a pas dit son prénom. Ouais. Pardon. J'aurais dû dire l'inverse. Non mais bon, on valide. Non, je l'accorde, j'avoue. En fait j'ai juste la rage, j'étais un petit peu lent. Ouais. J'ai pensé en plus à Fabregas. J'ai pas eu le temps. Parfait, 2 points. Et c'est bon. Donc Arsenal à 16 ans, admire de mes yeux les invincibles avant de connaître moi-même de grands frissons dans le club londonien. Une Community Shield, une Coupe d'Angleterre, une finale de Champions League, le capitanat, puis l'appel du club formateur. Je retourne au Barça contre 34 millions d'euros à l'été 2011. Le maillot du Barça est si particulier pour moi, je ne perce pas comme attendu. Difficile de s'imposer dans un milieu où le mot automatisme est un éternel pléonasme. Je profite pour remporter quelques titres, mais pas de Ligue des Champions. Je repars en Angleterre pour Chelsea, récent vainqueur de la Coupe pour Grandes Oreilles au bout de 5 saisons. Je remporte au papier seulement ma première compétition européenne en 2019, l'Europa League, car j'ai joué 5 matchs de C3 avant mon transfert à Monaco. Voilà. En gros, on l'aurait trouvé de toute façon. Ouais. Alors, qui suis-je à 2 points? Écoutez-moi bien. Bon. Attends que j'y aille. 2 points pour Ota, 2 points pour Max, 0 point pour Nico, 1 point pour Tom. Une des premières pierres du City, puissance milliards de dollars. Je suis un milieu anglais très polyvalent. Une aube de carrière avec un profil d'élite très agile, véloce et un pied droit magique pour les centres. Nicolas ? Ouais. Wright Phillips ? Non. Par contre, du coup, tu participes plus. Oh. Désolé. Un parcours qui va me recentrer au milieu de terrain avant de me rediriger ponctuellement sur les ailes et la défense, aussi bien à droite qu'à gauche. Avant City, j'ai donc successivement joué à Leeds, Swindon Town, Newcastle et Aston Villa, où je me révèle aux yeux de l'Angleterre. 5 saisons à City, un souvenir d'un titre arraché au pied d'Aguero, sans penser que le meilleur allait arriver à Liverpool. Maxime Milner. Bien joué, man.
Vice-capitaine, meilleur passeur sur une saison en Ligue des Champions, puis vainqueur cette dernière, je suis James Milner. Bien joué, Max. C'est Aston Villa qui m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. Et Liverpool. 4 points pour Max qui est en tête. Hein. Allez, 17 minutes de jeu, on va faire une petite question, chacun son tour maintenant. Qui c'est qui a pas de points? Nico. J'arrive. Vraiment? Ah oui, oui, t'inquiète. Alors, on y va avec... Parfait. Alors, question d'orthographe. Comment s'orthographe Southampton, Nico, pour un point. S-O-U-T-H-A-M-P-T-O-N. Bien joué, c'est bien. J'avais mis les... Vous êtes bon en orthographe ou pas? J'ai mis un point. J'entends qu'il souffle. Non, c'est tout bête, je veux pas trop parler de ma vie, mais j'ai beaucoup de mal à épeler des mots en général, donc c'était horrible. Vous vous rendez pas compte, même n'importe quel mot c'est dur, donc là, je suis content. Comment on appelle cette phobie? Je sais pas si ça a un nom, mais je peux pas visualiser les mots comme ça. Je sais pas comment vous faites, les gens qui jouent à Motus, j'ai une admiration éternelle pour eux. Le premier point, donc, ouais, ça me fait plaisir. Pour Nico. Alors, Tom. Oui. Épelle-moi Middlesbrough. Oh putain. Middlesbrough. Non, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T. Sinon, je l'avais. Sinon, tu l'avais, ouais. Pourquoi t'as voulu mettre un T? Je pensais qu'il y avait un T. Question pour donc pour Max. Je t'écoute. Attends. Non, pour Rota d'abord. Que signifie le sigle DFCO, Rota, de Dijon? C'est possible. Dijon Football Club Olympique. Non. Je vais me faire incendier par mes potes. J'habite à 50 km. Voilà, c'est dommage. Quelqu'un l'avait, les gars? Côte d'Or. Ouais, ça. Côte d'Or, oui. C'est... On salue les potes de Rota, du coup. Hein. Bah, désolé, les gars. Alors, donc, pas de points pour Tom et pour Rota là-dessus. Max, qui est en tête. Que la signification du sigle RS C d'Anderlecht, c'est chaud. Racing Sporting Club Anderlecht. Alors, non. Royal Sporting. Ah, Club. Royal. C'était pas évident. Je me disais bien que Racing Sporting, ça n'avait aucun sens. C'est ça, Racing Sporting. C'est avant de le dire, ça va, et en le disant. Est-ce que sur le chat, il y en a qui l'avaient sur le chat? Middlesbrough, ouais. Middlesbrough, il y avait des erreurs aussi pour la Juve. C'est quoi ce club? Ah, ça, hein, c'est un bon club. Il n'y a pas un joueur français qui a joué à Middlesbrough qui était connu? Diga? Bah, connu. Enfin, du connu Diga. C'est un point bonus ou? Non, non. Je gratte, je suis dernier. Enfin, c'est en première ligue. Il y a un ou deux ans, c'est en première ligue. Qui ça te dit, Tom? Je crois qu'il y a un an ou deux ans, ils étaient en première ligue. Ouais. Ils ont fait un petit peu ça. C'est un genre de club qui fait l'air bon, là. C'est un très bon club formateur. Ouais. Alors. Qui suis-je à l'envers? C'est-à-dire. Donc, je vous donne les clubs. Ah, je vous donne le nom. Je vous donne le nom et vous me dites combien de clubs vous avez pour lui. D'accord. C'est d'actualité, Mbaye Niang. J'en ai 6. 6 pour Tom. Et donc en tout, il y en a 9. Il y en a 9. 8. J'en ai 8. Non, 7. 7. 7 pour Tom. Réfléchissez, les gars. Le 9, c'est peut-être l'OM, on sait pas. C'est... Ouais, voilà, moi j'ai le prochain. Mais...
Ah, ça parle de les clubs en prêt, ça compte, évidemment. Ouais, mais... ouais, oui, bien sûr, Urta, bien sûr. Les clubs de formation, ça compte ? Non. Ah, ça va. Ah, que les clubs en poussin. Ça compte. Le club quand il était en U4, est-ce que ça compte ? Alors finalement, j'en ai que 5. Ah, j'en ai pas. Ça tombe direct. Le club formateur, tu parles du premier club où il a joué en... Non, parce que non, je te demandais si c'est que les clubs pro qui comptent, ouais, qu'à partir de sa signature pro. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, je ne me rappelle plus. Ah, mais vous avez fait un portrait d'Mbagnon il n'y a pas longtemps. Il est riche. Aujourd'hui. En fait. Ah, bah voilà. Bon, allez, je ne joue pas. Je l'ai pas. Ouais. Tom, combien alors pas. 5 Nico 5. J'en aurai jamais 5. C'est 5 aussi. Non, jamais. Jamais. Rota. J'en ai 7. 7 Bah. Oh la vache. Max. J'en ai 3. Tu connais pas Dijon, mais ça. Donc Rota, 7. Tom. 1, 6. Faut que tu gagnes à 7, sinon c'est Rota. Je réfléchis. En fait, il me manque juste un club, quoi. Je sais, putain. Par contre, il y en a 9. Non, il y en a 7. Attends, je me joue. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a que 7, pardon. Attends. Ah ouais, parce que je disais 9, je voyais pas où il avait. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a même que 6 en fait. Je me suis complètement gouré, tu vois. J'en ai 6, c'est bon. Donc 6 pour Rota et 6 pour Tom. 6, alors ouais. Bon bah, un chacun, les gars. Hein. C'est parti pour Tom, vas-y. Watford. Watford, c'est bon. Rennes, du coup. Rennes, c'est bon. Milan. Comment ? Milan, c'est Milan, bon, ouais. C'est bon, excuse. Rota. Quand ? Quand c'est bon, le club formateur est le premier il a joué. Montpellier. Montpellier, c'est bon. Genoa. Genoa, c'est bon. Il en reste un, du coup. Ouais. Torino. Torino, c'est bon. Allez, un point chacun, les gars, bien joué. Voilà, chapeau. Joli. 5 buts à Caen, 12 à Milan, 5 à Montpellier, 5 au Genoa, 2 buts à Watford, 4 au Torino, 14 à Rennes, et 14 en 2018-2019, et 15 cette saison, toute compète confondue. Et là, ouais, là il est chaud pour l'OM, là. Après, je suis rennais, donc je suis un peu dégoûté, hein, je vous cache pas, quand même. Mais bon, c'est comme ça, il veut partir. Ben là, ça semble quand même bien parti, parce que j'ai vu une photo avec... je sais pas si c'était sa femme, où il faisait un geste de menottes. Je sais pas si vous avez vu celle-là tourner. Oui, je l'ai vu, mais ça n'a rien à voir. Ouais, j'espère, parce que vous savez, c'est sur le Twitter, ils ont. Oh non. Ils croisaient juste les bras, tu sais. À 18 millions, il n'ira jamais à l'OM. Hein. Ouais, c'est millions, ouais. Spoiler. Ouais. Non, mais on ne sait jamais. Moi, j'ai fait un article cet après-midi, j'ai marqué qu'on peut inclure Germain dans la transaction. On ne sait jamais. C'est pas faux. Il l'avait dit dans un live Insta pendant le confinement, il avait. Il avait dit qu'il voulait aller à l'OM, il l'avait un peu. Enfin, il s'était un peu chippé en termes de com, mais il avait dit qu'il voulait rejoindre l'OM. Il en avait 7, ouais. Caen, Milan, Montpellier, ouais, 7. Je sais pas compter. Bah ouais, Krakito, ça arrive de se gourer, tu sais. Hein. C'est pas grave. Hein. Krakito qui est nantais, donc il m'aime pas. Hein, De base. Alors, on va continuer un petit peu. 25 minutes, on va continuer un petit peu avec un 11. Hein, parce que je sais que vous adorez les 11. Hop. Alors, pour l'instant, donc, 1 point pour Nico, 2 points pour Tom, 3 pour Rota et 4 pour Max. La compo de Lyon face au Werder Bremen en 8e retour Champions League 2004-2005. Le 7-2. C'est des 11 spéciales tôles. Salut Mélanie. Il sera à l'OM en déplaise. Bah ouais, il sera à l'OM, dit Ange est dangereux, mais si l'OM met les 18 millions, ça me paraît quand même. À part si l'OM vend. Ouais, après il y a plusieurs transactions disponibles. On peut payer en plusieurs fois, payer dans un an. Ah ouais, ticket resto, on s'adapte. Hein. Avec Rangier, on s'est débrouillé pour payer 6 mois après ou un truc comme ça, je crois. Surtout qu'il est arrêté pour jusqu'au 2023, 2 ans de contrat, hein, c'est cher. Hein. 3 ans de contrat, même, du coup. Non, mais je rigole avec Rakito, t'inquiète. Alors, on en est où ? La compo Lyon face au Werder Bremen en 8e retour, Champions League 2004-2005. Nico, t'en as combien ?
Avec plus ou moins de certitude, j'ai envie de dire 5. 5. Rota. 7 pour le moment. 7 pour le moment, ah, Tom. Ouais. Oh, j'en ai 3, mais... Tom, il est goûté de cette merde. J'en peux plus. Max. Je suis à 5 aussi. Rota, pour l'instant, on a 7. Rota, il veut rencontrer Loguito en finale, j'ai l'impression. Barça, Real. Mais... Ouais, mais tu veux. Alors que moi, le Barça, tu vois, j'ai pas envie. C'est ça, le... Pour l'instant, on est à 7. Attends. On peut tenter 7, on sait jamais. On peut tenter 7. Ouais. Rota ? Non, pas plus de 7, 7. Je pense pas. Max et Tom ? Non, je suis à 5, je suis bloqué. Je peux pas faire mieux. Ah, ah, peut-être que j'ai un 8ème. Ouais, peut-être. Avec des peut-être, je suis à 8. 8, ouais. Ouais, je 8, te 8, suis, 8. Je te suis sur 8. Vas-y. Okay. 8 pour les deux, donc chacun son tour. Rota en premier. Si je peux en premier. Coupé. Grégory Coupé dans les buts, évidemment. Ok. Chris. Chris. C'est trop tôt. Rota. Diarra, c'est le dernier que j'avais. Mamadou Diarra, oui. Nico. Juninho. Évidemment, Juninho. Rota. Encore un Madrilène, enfin un ancien Madrilène, Essien. Michael Essien qui était monstrueux, oui. Un buteur d'ailleurs. Nico. Okay. Govou. Govou, oui, capitaine. Rota. Abidal. Eric Abidal, oui. Nico. Ok. Cachapa, il était là. Non, je crois. Cachapa, c'est pas bon. Ah. C'est pas bon. Tu peux continuer, Rota, pour le délire? Ouais, il y a Malouda, je crois. Malouda, c'est bon, buteur. Ah, j'ai pas. Dans l'axe, c'était Lamine Diata, non? Yep. Et Berthaud à droite. C'est ça. Il y avait donc. Pas loin. Bah, il y avait, c'est tout. C'est tout. Bien joué. Coupé, Diata, Berthaud, Chris, Abidal, Diarra, Malouda, Juninho, Essien, Govou et Sylvain Wiltord. Rota qui rejoint Max. Ah, il est fort. Et celui qui a le plus de points choisira son questionnaire. Il y en a un qui est plus dur que l'autre, on va dire, le A ou le B, quoi. Pour l'instant, ça en a combien les points? 4 pour Max, 4 pour Rota, 1 point pour Nico et 2 points pour Tom. Ouais, j'arrive. Toujours. C'est le thème de ma soirée, j'arrive. Alors, il y a 5 quarts d'heure avant la fin de la première mi-temps. On va faire ça. Attends. On va faire ça, un qui suis-je à l'envers. Alors, Hamsik, combien de clubs il a fait? Il y en a 9. 9? Ouais. 9. J'en connais qu'un, plus le pays d'un des leurs, mais... Avec sa belle coiffure. Amzik 5, 9 clubs. La vache. Ah non, pas du tout. C'était. Pas du tout. Non, c'était sud au-dessus. Non, il a 4 clubs, pardon. Ah. C'est toi pour moi. Amzik, je me souviens du club qu'il avait en Slovaquie, tout ça. Là. Je me disais aussi. J'en ai 3. 3. Qui a dit 3? Rota. C'est toujours Rota, cherche pas. Il y en a un qui annonce un chiffre élevé. Nico, Tom, Rota. Max. Ah, 3, non. Il me revient pas la troisième. Bah, j'en ai 3. J'ai pas le premier. Tom. J'en ai qu'un. Un seul, Nico. Non, j'ai pas 3. Bon, Rota et Max. Max, vas-y. Naples. Ouais, Rota. Okay. Slovan Bratislava. Slovan Bratislava. Oui. Et Brescia. Ouais, moi aussi, j'ai pas de. Je sais qu'il est parti en Chine, mais alors le nom du club. Si, c'est Dalian, je sais pas quoi. Dalian. J'avais pas Bratislava. Un point chacun, les gars. Bien joué. Bien c'est joué, dur. Max. Merci, toi aussi. C'est-à-dire qu'ils font une alliance tous les deux, tu sais.
Non, on reste entre nous derrière et on vous regarde. Non, mais il avait le club chinois et c'était. Moi, c'est pas le plus dur, je pense. J'avais pas du tout le premier. Aucune idée. Alors, sur le chat, il y en a qui avaient pas. Un club slovaque. Mélanie, elle avait club slovaque et club chinois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est... j'avais les pays, mais le nom. Je savais qu'il avait fait un club italien aussi. Et, enfin, à part le Napoli, je savais qu'il avait fait un club italien. Je ne savais pas qu'il existait. Alors, on va faire un petit 11. Et celui-là, il va vous plaire. Vous allez voir pourquoi. Il est là. Hop. Ah, magnifique. La compo de Barça face à Paris. En 8e. Ah. Champions League, la remontada 6. On est toujours dans les gros scores. Je vois Rota. Bah, si tu prends pas le point. Je vois Rota top. Non, parce que moi j'essaie d'oublier. Tu les connais par cœur, moi. Non, pas forcément. La tous. Compo du Barça face au PSG en 8e de finale. Champions League retour, la remontada. Sachant que Cavani avait marqué et après c'était la déflagration. On s'en souvient tous. Bah, du coup, Rota il devait être pour Paris. Ah, moi je suis simplement pour le Real, mais oui, quitte à choisir, j'aurais préféré Paris Pass. Et Tom et Max, c'était évidemment pour Barça. Mais absolument pas, j'avais mon maillot de Cavani sur les épaules. Ah oui. C'est là dans mon salon, en larmes, à la 95e. Ah oui. Est-ce qu'il était titu, lui? Ouais, j'ai un doute sur Titu ou remplaçant pour certains. En deuxième mi-temps, il y a des questions. Tu prends, tu refourgues. Hein, tu peux retirer des points. T'inquiète pas, ceux qui n'ont pas de points. Ah, ça, c'est bien. Ça. Non, mais moi, je suis là pour. J'observe. Je reste. Mais je suis observateur, tu sais. Moi, j'observe. Voilà. Moi, je. Tranquille. Voilà. Ça va. Passe une bonne soirée. Alors. C'est bon souvenir en plus, merci. On va commencer par Nico. Bah ouais. Alors. Je dirais que j'en ai 8. 8 pour Nico. Tom. J'en ai 10. Aïe. 10, bon, Rota et Max. Rota. Je suis à 9, donc. J'ai le 11, moi, je pense. T'as le 11, Rota? Ouais, je pense. Bon, ouais. Bah alors, s'il en a 11, j'en ai 11 aussi. Tom a 11. Je vous laisse sur les 11 alors. Tout le monde s'aligne à 11. Max, tu sors? Je les laisse 11, non. Nico, tu rentres pas non plus? Non, j'ai ben, quoique, tactiquement, c'est possible. Tu peux tenter. Ouais. Ah, tactiquement, c'est possible, ouais, c'est vrai. Tactiquement, tu peux en avoir 11. Allez, 11. 11 pour Max. En ce cas, on fait une question tournante. Nico aussi, tu. Non, bah, à la limite, autant le tenter. Hein, tout. Allez, viens. Allez, Nico, tu commences. Je suis pas à un point près, je m'en allez, fiche. Nico. Allez, Nico. Neymar. Voilà. Neymar, c'est bon. Rota. Sergi Roberto. Il est pas titulaire. Il est pas titulaire, Rota. C'est pas bon. Ah, bah. Tu sors de plus que 3. Nico, Tom et Max. C'est à Max. Ah non, Tom, pardon. Tom. Messi. Messi, c'est bon. Max. Suarez. Suarez, c'est bon en pointe, évidemment. Piqué. Gérard Piqué, c'est bon. Tom. Ter Stegen. Ter Stegen dans les cages, c'est bon, évidemment. Max. Iniesta. Iniesta, c'est bon. Nico. Mascherano, il est titulaire. Mascherano, c'est... Bah, ouais. Je sais pas. Si, si, il est là, il est là. Mascherano, c'est bon. Ouais. Tom. Umtiti. Umtiti, c'est bon, il était latéral. Ils étaient en bien, même merci pour cette précision. c'est pas inutile. Rakitic, c'est bon. Busquets, c'est bon. Et c'est terminé. Non, il en reste un. Il en reste un. Voilà. Oui, il y a Rafinha. Ah oui, Rafinha, autant pour moi. Donc, point pour moi. non, il était sur ma feuille. Un point pour tout le monde, déjà. Putain, quel escroc. Ah, sauf Rota. T'as vu ça? Il a essayé de... Y a pas Alba aussi? Non. Il perd du point, là, du coup, non? Non. En bonus.
Il prend la tête, Max. 6 points, Rota 5, 2 points pour Nico, 3 points pour Tom. Mais tu m'as sauvé la vie avec Umtiti, il était latéral. Ouais, là, je me suis dit, Maxime ne dit pas Jordi Alba. Ça m'a tellement choqué. Non, Alba Umtiti. Pas latéral, ils étaient en 3-5-2. Oui, c'est en 3, ouais, ça arrive. Ah, bien vu, Weber. Pas de latéraux. Sergio Roberto, j'hésitais. Rafinha, il faisait un peu le piston en latéral. Allez, question en chair, les amis, pour 2 points maintenant. Et on est à 8 minutes de la fin de mi-temps, même pas. Donnez-moi les clubs de David Villa. Il y en a 8. Quand même. Moi, je les ai tous, je pense. C'est Rota ? Moi, je suis un fan inconditionnel de Villa, donc je pense que je les ai tous. Il est décourageant, Rota, en fait. Attends, tu réfléchis même pas le petit suspense. Toi, tu dis j'en ai peut-être 4 et 8, ça, hein, je les ai. Non, okay. Moi, c'est bon, je les ai, les gars, c'est bon. Vous réfléchissez pas, quand j'ai un gâteau. Je vous fais gagner du temps, les gars, remerciez-moi. Mais tu fais mal au moral. T'sais, donne 2 secondes de plus, et là. Ok. Oui. Non, je les aurais pas tous. Je les ai pas tous, donc ça sert à rien de me faire du mal. J'en ai 5. Donc c'est Rota qui les a tous, normalement. Mais si tu loupes... Ah là. Franchement, je suis vraiment fan. Je pense pas me louper, c'est pas possible. Mais après, on sait jamais. Hein. Allez, Rota pour 2 points. Alors, il est formé au Sporting Gijón. Ouais. Ensuite, il se révèle en D2 à Saragosse. Je crois qu'il remporte la Coupe du Roi en battant le Real. C'est vrai. Merci beaucoup. Il grandit évidemment à Valence, ouais. Avant d'être transféré au Barça, puis à l'Atlético, il perd la finale contre nous. Il va à New York City, filiale de Manchester City. Il est en prêt à Melbourne, qui est aussi une filiale, je crois, et il rejoint Iniesta au Vissel Kobe. Oh là 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 là. En plus, il raconte l'histoire, tu sais. Ouais. Que... Oh, je savais pas qu'il était à Melbourne, moi. Ouais, c'est les jeux. Il a fait juste la période en Australie, comme 2-3 le font. Del Piro l'avait fait, je crois. Une période de 3 mois, comme Zlatan là, à la fin de la saison américaine. J'avais pas le début de carrière, je sais pas comment tu fais. Bah, après, je suis espagnol, moi je l'ai suivi. Ouais, ça aide. Depuis toujours, quoi. On va pas dire que les questions sont dirigées, mais bon. On des questions sur le sud de la France maintenant. Allez, un dernier 11 avant la fin de première mi-temps, les amis. La compo du Bayern face au LOSC en Champions League 2012-2013. Le 6-1. C'était pas Rudy Garcia, entraîneur? Ouais, je crois que c'est ça. Si, ouais. Ah, il aime bien prendre des taux, le Rudy Garcia, on le sait. Oh là là. Rota, oui, Rota a 7 points. C'est vrai que... Merci. Aïe. Aïe. C'est la compo de Lille, hein, c'est ça? Du Bayern. Du Bayern. Ah, du Bayern. Ah, c'est C'était 2011, c'est ça? 2012-2013. C'est une belle équipe aussi, ils ont une belle équipe en même temps. Oui, ils avaient mis la A. Il essaie de me gratter. T'as vu, il essaie de faire des trucs. Ils avaient mis des joueurs qu'ils avaient dans l'effectif. Pas trop mauvais, qui étaient titulaires d'habitude. Internationaux ou pas dire... Ouais, ils ont gagné 6-1 quand même. Ouais, c'est ouais. Ça. Salut Drixinho, comment tu vas? Alors. Qui c'est qui a moins de points? Nico. Ah, c'est toujours pareil, ça. T'en as combien? Là, comme ça, Là, 3. 3? Ouais. Tom. 6. 6? Rota, il va dire 11. Rota. Mais oui! Je suis à 9. Max? Je suis à 6. Est-ce que quelqu'un rejoint Rota à 9? Alors là. Absolument pas. Tactiquement, mal joué. C'est quoi, en plus, c'était en 2010, 2000... Non, 2011, 2012. 2012, 2013. 2012, ouais.
C'est quand il a, c'est quand il a gagné, je crois. Bonne question. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est quand il y a les deux Allemands. Un point bonus. Hein. Donc pour l'instant, Rota, personne ne nous rejoint à 9. Non, mais 9. Je suis monté à 5, mais. J'en cherche un dernier là. J'en cherche un dernier. Ah, t'es à 8 là? Ouais, j'en sais à 8. Ok. Oh, comme par hasard là, c'est bien plus. Un 10. Ah, c'est bon, c'est bon. J'en ai un 9ème là, c'est 9. Bon. Donc, Rota, est-ce que t'en as 10? Je pense pas, non. Allez, Tom. Alors, bon, je vais Neuer. Neuer, c'est bon, Rota. Lame. Lame à gauche, c'est bon. Ribéry. Francky Ribéry, évidemment, c'est bon. Rota. Robben. Ça marche. Ryan Robben, c'est bon, évidemment. Schweinsteiger. Schweinsteiger, c'est bon. Comment on écrit ça, Tom? Non, je rigole. Rota. Toni Kroos. Toni Kroos. C'est pas bon. Ah bon? Non. Neuer. Ah, faut que tu finisses, Tom. Ah, il a marqué, mais il était pas titulaire. Alors là, faut pas que je me rate. Je vais tenter. Dante. Dante, c'est bon. Voilà, c'est bon. T'avais été. T'as dit la. Ouais, c'est bon. Neuer, Lam, Boateng, Dante, Alaba, Ravi Martinez, Schager, Robben, Müller, Ribéry, Pizarro. Morandin, je les ai tous. Mais... Ah, j'avais noté Mario Gomez, mais je sais plus s'il était là ou pas. Tom qui prend un 4 points quand même, les gars. 4 points. Allez, un qui suis-je de rapidité avant la fin de la première mi-temps, les amis. Hop, 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 hop. Je vais prendre celui-là. Ah, celui-là, il est facile. Ça va aller vite. Donnez votre prénom. D'abord le prénom. Hein. Allemand d'origine tunisienne. À 30... Samy. Qui est parlé? Rota, Samy. Samy. Kedira. Kedira, bien joué. Hey. Je pensais qu'il était turc, lui. J'entends le penser, mais ça allait trop vite. Je vous dis quand même, à 33 ans, j'ai connu que 3 clubs, un en Allemagne, un en Espagne, un en Italie. J'étais d'ailleurs champion partout où je suis passé. J'ai gagné une Ligue des Champions 2014, j'étais malheureux finaliste en 2017. Je fais un gros euro en 2012, récompensé par une place dans l'équipe type de cet euro, mais je ferai mieux en 2014 en devenant champion du monde. 77 sélections avec la Mannschaft, portant fièrement ce numéro 6, véritable pilier du milieu de terrain. J'ai un jeune frère du nom de Rani qui joue, lui, à Augsbourg. Je suis donc Samy Khedira. Bien joué. Fin de la première mi-temps. C'est dur. Donc le récapitulatif des points. Mais non, ça va, ça évidemment. Va. Oh la vache. Tac. Alors, Nico, 2 points. 2 points. Tom, 4 points. Max, 6 points. Et Rota, 8 points. Ça va, les gars? Très bien. Ça va. Encore une fois, rien n'est joué. Hein. Non, non, je suis bien placé pour être les remontadas, mais ça fait beaucoup de suspense, là. Justement, placé pour les prendre. Hey, ouais. La semaine dernière, Lucas de OneFootball, il était dernier et il a été en finale. Hein. Il a gagné. Ah, grâce aux questions. Ben c'est bon. Alors. Grâce aux questions refourgues qu'on va faire maintenant, je te. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps, les amis. Juste. Dis-moi. Vous allumez Tom ou pas? Comment? Un peu dans le noir. Tu veux que j'allume un peu ou pas? Si tu veux, ouais. Si tu veux. Alors, on y va. Deuxième mi-temps. On joue sans Rota? Ouais, c'est ça. On le rattrape un petit peu et après. Allez, on est parti. Alors là, c'est simple. Je vous donne des réponses. Et vous me dites si vous gardez la question ou si vous la refourguez. Si vous la gardez, vous marquez un point. Si vous la refourguez, par exemple, on va dire si Rota la prend, et si Sgour, lui, il perd 2 points. Tu fais perdre 2 points. Donc c'est une question tactique. Ah ouais. Peut-on faire un exemple?
Ouais, je veux bien un exemple qui, comme ça. Bah, par exemple, je dis Amsterdam, c'est des réponses. Tu me dis, ouais, ok, je prends. Je sais pas, okay, chanson de je sais pas quoi. Tu vois, tu Ah, c'est un QCM. Ça ouais. En fait, ok, ça marche. Ah, tu donnes, quand tu dis je donne la réponse, je crois que c'est genre après, il faut retrouver non, le non, parcours. Non, non. Ah, non, c'est un 5QCM. Ok. Donc, c'est Nico qui va commencer, évidemment, parce que c'est toi qui as le moins de points. Je suis obligé de le répéter vraiment à chaque fois, mais. Juste, on sait que je commence. Moi, ça m'arrange, tu vois. Alors, je te donne les réponses. Hein. Alexandre Oukidja, Andy Delors ou Lucas Zidane. Est-ce que tu gardes ou tu refourgues? Là, je vais refourguer, je le sens pas. Ils m'ont pas inspiré. Tu refourgues à qui? Rota, il a un joli sourire là. Ouais. Rota. Je sais pas, il avait l'air content. Je sais pas ce qu'il. Non, pas du tout. Rota, voici la question. Qui a la nationalité sportive française? Alexandre Oukidja, Andy Delors ou Lucas Zidane? C'est facile. Lucas Zidane. Eh ouais, t'es facile celle-là. Ah. Joue en 17. Mais là, je marque 2 points du et coup. Là, tu marques 2 points. Oui. Du coup, ouais. C'est mal joué la part de Nico là. Du coup. Qui lui, il n'en perd pas. Non, non, non. Ah, c'est déjà bien. Sinon, c'est compliqué. Enfoiré. Non, mais je vois le genre. C'est parti donc pour Tom. Alors, Tom, je te donne les réponses. Cheikh Diabaté, Néné ou Nabil Fekir? Ben, je prends. Tu prends pour 1 point. Qui de ces 3 joueurs a marqué le plus de buts en Ligue 1 au nombre de 58? Donc, il y a qui? Il y a Néné, Nabil Fekir. Et Diabaté. Pour 1 point. Bah, je vais dire Diabaté. C'est bon, 58, Cheikh Diabaté. Toujours. Question piège. Mais toujours critiqué, Cheikh Diabaté. Il a fait le taf partout. Hein, c'est clair. Hein. Il est où d'ailleurs là? Bonne question. Il est pas en Italie? Il est à Benevento. C'est ça, ouais, il est pas parti loin là, maintenant. Je sais. Il est parti, ouais, alors, peut-être parti en Arabie Saoudite. Pour le projet sportif. Alors, c'est à Max. Je cherche. Voilà, celle-là. Pam. Alors, Zlatan Ibrahimovic, Jules Fontaine ou Carlos Bianchi? Est-ce que tu prends pour 1 point? Est-ce que tu refourgues? Zlatan, Fontaine ou Bianchi? Qui a le plus gros ratio but match de l'histoire de la Ligue 1? 0,93. Ibra, Fontaine ou Bianchi? Pour 1 point. Bianchi. Non, c'est pas bon, c'était Zlatan. J'ai dit. Tu pars pas de points, t'inquiète. Alors, Rota, 10 points. T'es en tête. Je suis désolé. Mais qui. Tu peux soit enterrer quelqu'un, non. Bon, quand on est en tête, normalement, on donne un truc un peu plus difficile que les autres. Ah ouais. Alors, 0,5, 1 ou 1,5. Que tu prends ou tu refourgues. 0,5, 1 ou 1,5. Si je réponds mal, je perds 2 points. Non. Si tu réponds mal, tu perds rien. Tu gagnes soit 1 point, soit tu refourgues et tu perds 2 points. Je vais prendre. Tu prends. Alors, en mètres, quel est le rayon de l'arc de cercle délimitant les coups de pied de coin? Quel est le rayon de l'arc de cercle délimitant les coups de pied de coin?
0,5, 1 ou 1,5. 0,5. Non, c'était 1. 1 mètre. Ça va. Bon, il y a... Qui c'est qui a marqué des points, du coup? C'est... Je crois que c'est Rota, ouais. Je crois. C'est tout. Comme souvent, hein. Non, mais en plus, j'avais pas tout compris le concept. T'inquiète. J'avais pas compris que ça lui donnerait 2 directement. Ça, mais... Vraiment, c'était son sourire sur la cam, ça m'inspire. Alors, question pour 2 points. Un 11, les amis. La compo de Liverpool face à Beşiktaş en Champions League 2007-2008, le fameux 8-0. On reste toujours dans les gros scores. Quelle année? 2007-2008. Compo Liverpool face à Beşiktaş en Champions League 2007-2008. Score 8-0. Question à 3 points, les amis, parce que c'est lourd. C'est du lourd. On accélère un petit peu là. Compo Liverpool face au Beşiktaş en Champions League 2007-2008, le 8-0. Salut Joris. On peut voir la composition de Beşiktaş. Oh, peut-être pas quand même. Salut Vini. Il est en Iran, débatté. Merci Théo. Projet sportif, je crois. Ouais, vache. Alors, on en est où avec la compo de Liverpool, les gars? On est 7. Qui a dit 7? Max? Max. 7 pour Max. Nico? Je suis à 3. Oh. Non, mais ils sont... c'est pas ma soirée. Rota? Je vais tenter... 8. Rota tente 8. Tom. J'en ai 5. 5 pour Tom, Max. On va monter à 8. Hein. 8 pour Max et Rota. On va essayer 3 points. Hein. Ah oui, 3 points. Nico. Je me suis enchéré. Il faudrait vraiment un coup de chance là. Non. Non, Tom, tu peux surenchérir carrément. Je renchéris à 9. Hein. Ouais, ben, je renchéris alors. Je me mets à 9, même si les 4 autres je les ai pas, mais on tente un coup de bluff. Rota. Pareil. On reste à 9. Ouais. Je pense que j'en ai peut-être un dixième, mais je vais dire 9. Allez, on va commencer par Max. Peperena. Dans les cages, Peperena, c'est bon. C'est Rota, ouais. On est que 2 ou on est 3? Vous êtes 3, ouais. Rota, Tom et Max. Arbeloa. Arbeloa, c'est bon. Tom. Je vais tenter Gérard. Gérard, c'est bon, buteur. C'est bon. J'arrive toujours pas à imiter Bribois. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon. C'est à Max. Benayoun, qui en met 3, je crois, ou 2. Benayoun, qui en met 3, triplé, ouais. Il était fort, lui. Rota. Ipia. Sam Ipia, c'est bon. Tom. Kate. C'est pas bon. Rota et Max. Rizeux. Rizeux, c'est bon. Ah ouais. Mascherano. Mascherano, c'est bon. Carragher. Carragher dans l'axe, c'est bon. On a Arbeloa, Carragher, Ipia, Rizeux, Reina. On a 9 là, non? On a Mascherano, Gérard. Victor Crouch. Crouch, c'est bon. On est à 9 là, ouais. Ah ouais, non, mais là. Il y avait Aurelio aussi, Fabio Aurelio, non? C'est bon aussi, ouais. À droite, à gauche. Fabio, Aurelio. Il restait 1 pour le délire. Ah, je l'ai pas. Je pense pas. C'était bon. Voronin. Ah, ouais. Ah, l'Ukrainien. Okay. 3 points chacun, les gars. C'est gentil. Prennent le large. Ouais, j'arrive. Avec pas beaucoup de joueurs encore. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Pas beaucoup plus que ceux que j'ai cités, tu sais. Alors, 55 minutes.
qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire les parcours aussi. Anthony de Wizwedge, là, il m'a fait des trucs comme ça, c'est pas mal ça. Des parcours d'équipe. Ça, c'est change cool. De feuille. Je regarde ça justement. Bon, ouais, Tom et Nico. Nico, faut que tu réagisses beaucoup par contre. Ouais, ouais, là, c'est le moment. Là, j'arrive. Là, t'es demandé là. La remontada s'est fait à peu près à cette minute là, je crois, que 60e. Ouais, c'est ça. Ça commence petit à petit après. Alors, on va faire. Et on va faire des parcours. On va faire des parcours. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, mais c'est dur. Mais c'est bien. Le parcours du Portugal Euro 2016. Il y a eu 7 adversaires. Donc, les adversaires en poule. Et patati et patata. Évidemment, avec on peut le dire dans l'ordre ou pas? Si possible, oui. On va dire un point pour le désordre et 3 points pour celui qui donne l'ordre. Même les matchs de poule, je vais dire dans l'ordre. Non, ce match de poule. J'ai tout dans l'ordre, c'est bon. T'as tout dans l'ordre? Tout dans l'ordre. Ce serait pas un peu portugais? Non, mais bon, c'est quand même. T'as tout dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un a tout dans l'ordre, les gars? Absolument pas. Tu vas avoir un peu de temps ou pas? Vas-y. Tu as exactement une heure. On attend, on est tranquille. Ouais. Souvenir douloureux, hein, évidemment. Tiens. Ça dépend. Pour qui on se place, évidemment. Les Portugais sont contents. La dernière saison de Ibra, c'est 40 buts. Ouais, de toute façon, il était à 20 ou 28 minimum à chaque fois. 'Voronin, c'est pas lui qui avait marqué le but d'ailleurs au stadium contre Toulouse, en barrage de barrage. Je pose la question. Il a pris une valise, je crois, 4-0. Là. Je peux même dire les stades où ils ont joué, Portugal. Hein? Il cherche des points bonus. Hein. Si t'as le nombre de spectateurs. Ouais, c'est ça. Les buteurs, si vous voulez. Ah, j'ai le parcours aussi, je pense. T'as le parcours? Ouais, je pense. Oh, putain. Max et Nico, vous laissez tomber? Absolument. Oh, moi j'écoute, moi. Donc je suis devenu spectateur de cette. Qui a le parcours dans l'ordre déjà entre Rota et Tom? Moi. Rota. Moi aussi je l'ai dans l'ordre. T'as dans l'ordre? Ouais. Ok, on va commencer par un nom chacun du coup. On y va avec Tom. Un partout contre l'Islande à Saint-Etienne. Un partout contre l'Islande à Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, on s'en fout, mais bon. Ok. Alors moi, par contre, j'ai pas tout, mais je il me semble qu'ils gagnent 4-3 contre la Hongrie à Lyon. Non, ils gagnent pas. Ils gagnent pas. Oui, ils font 3-3. Ah, mais ça c'est pas dans. Attention. Ah si, il a dit les poules, on fait pas les matchs dans l'ordre. Ah, je crois. Non, et puis au score, on s'en fout aussi, les gars. C'est pas non plus exagéré. C'est trois partout. Alors c'est bon, Tom. En poule, il y a eu 0-0 contre l'Autriche au parc. Ok, très bien. Allez, on continue, Rota. Moi aussi. Pologne, au Vélodrome. C'est là que j'avais pas. Génial. Ok. Et contre la France, en finale. Évidemment. Bah, attends, 3 points chacun, les gars. Ah ouais, je suis fort. Pas mal. Ça monte. 16 et 8 pour Tom qui revient dans la course pour aller en finale. Je me place, c'est pareil. Et Nico, la rondada, c'est maintenant. En fait, je devrais participer parce que là, j'en avais beaucoup. Il manquait juste un ou deux, mais ça tombe bien, je vais faire des points. Je suis pas stratégique. Allez, on va faire un qui suis-je, un qui suis-je, un qui suis-je, un qui suis-je. Et sur le chat, y en a qui l'avaient ou pas? Ange est dangereux. Nico, fais-toi violence, tape du poing sur la table. Ouais. Enfin, pas trop fort sur la table, parce que, voilà, c'est mon mobilier. Hein. Alors. Mais ouais. Là, je m'énerve là. Tac. On va faire un qui suis-je. On est parti.
avec lui. C'est pas mal. Alors, on est parti. Vous dites votre prénom. Pour 3 points, les gars. Qui suis-je ? Parti. Je suis formé dans le même club que Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou Nani. Je m'impose très jeune et joue très régulièrement, mais je vais céder aux sirènes d'un grand rival, le FC Porto. Recruté contre 11 millions d'euros, l'Europe va apprendre à me connaître grâce au triplé historique de 2010-2011 sous André Villas-Boas. Je côtoierai la France grâce à mes bons matchs face au PSG. Tom. Tom. Ah merde. 5 secondes, Tom. Moutinho. Ouais, c'est bon. Ah, c'est ça ? Ouais. Oh putain, yes. Je côtoierai la France grâce à mes bons matchs face au PSG. En 2013, c'est l'AS Monaco qui craquera, m'enrôlera en compagnie de James Rodriguez, pardon. Champion de France, 5 saisons sur le rocher avant de partir, rejoindre la filière portugaise de Wolverhampton, je suis Moutinho. Qui c'est qui l'avait ? Non, du tout. Le triplé m'avait complètement perdu, je cherchais un œuf. Ah ouais. Mais j'avais pas compris que c'était le triplé, à mon avis, de Coupe Championnat. Bon, ça manque de vitesse, de vivacité. J'avais dit 3 points ou 2 points, je sais plus. 3 points. Ouais, c'est 3. J'ai entendu 3. Attention, hein. Du coup, 11 points pour Tom, 16 pour Rota, 9 pour Max. Et Nico, c'est maintenant. Non, mais c'est... Ouais. Vache. Hein, qui suit à l'envers ? Celui-là est tendu. Et on triche pas, les gars. Mais qui dit ça, tu sais. C'est parti pour Robinho. Ah, bon courage. Les clubs ? Ouais. Oh non, là j'ai pas. Il y en a. Il en a fait un paquet, les Robinho. Est-ce qu'on peut dire un pays ? Parce que je sais qu'il a fait un pays, mais je m'en fais plus du club. Ah non. C'est bien d'essayer en même temps. Bon, enfin, il a fait des allers-retours. Hein. 5, 6. Il y en a 7. Bon, j'en ai 5 pour l'instant. 5. Et je suis pas très sûr. C'est un peu bancal. Je suis pas très sûr non plus. 5 bancal. Voilà. Je suis à 6. 6. Ah ouais. Max 6. Nico, t'en as. T'en... Non ? Moi, j'en ai 4, mais je peux toujours. Quand c'est qu'ils ont commencé la remontada, le Barça ? À quelle minute en gros ? Bah, c'est la dernière minute. Ouais, bah, ça a commencé très vite. Après, on s'est remis dans le jeu. Après, c'est les 7 dernières minutes. Ouais, ça va trop vite. Bah, tu vois, donc il reste du temps. 7 minutes, non, je suis large. Pour ça, je prends mon temps, tranquille. Ouais, tu fais exprès en fait. Ouais, j'attends le pénalty. Après, c'est du temps additionnel. Voilà. Hein. Donc, on en est à. Combien ? 6 ? 6, ouais. Max 6, Rota ? 7. 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque un. On a 8. Qui a 8 ? Non. Max, Tom. Je l'ai peut-être, je suis pas sûr. Non, mais on peut monter à 7 déjà. Oh. Pardon, Rota ? Faut pas les donner dans l'ordre. Non. Allez-y. Ouais, il y a 7. 7 pour Max, 7 pour Rota, Tom. Non, je peux pas rivaliser. Rota et Max, donc 8 ou pas ? Non, quelqu'un ? Non ? Non, ça va. C'est non, 8, non. Je pense que je dis, je sais pas si je Non, je vais laisser à 7. Ok, on va commencer par Max, premier club. Santos. Évidemment, Santos, hein, il y a été 2 fois, 3 fois même. Rota. Real Madrid, évidemment. Le Real Madrid, 35 buts de 2005 à 2008. Il a marqué beaucoup de buts, hein, Robinho, mine de rien. Max. City. Man City, 16 buts pendant 2 ans, 53 matchs. Milan. Au Milan, 144 matchs pendant 2010 à 2014, 32 buts. Max. Guangzhou. Guangzhou Evergrande, 2015-2016, projet sportif, 19 matchs, 3 buts. Başakşehir, il est encore d'ailleurs. Il est à 35 matchs, 4 buts. Et il a fait une pige à Mineiro. L'Atlético Mineiro. Mineiro pendant 2 ans, 109 matchs, 38 buts.
Et l'autre, j'en sais rien du tout. S'il y en a un autre. Il a fait une autre, il a fait un autre que moi. Je crois que c'est Sivasspor. Sivasspor, c'est bon. De toute façon, on était bon, les gars. Allez, Santos, puis Real, puis City, puis prêté à Santos, acheté au Milan, reprêté à Santos, Guangzhou, Atletico, Sivasspor et Başakşehir. C'est deux points celui-là. Tac. On va passer au tour au four justement. Ça va. C'est parti. C'est parti. Bon, Nico, c'est pas mais là, c'est frustrant. J'en ai 4 et eux ils montent à 7. Je sais pas comment. Ouais, ils mais c'est des fous. Alors. Ah. On est parti avec. On prend de cela. Ouais. Tac, tac, tac. Il est où celui-là? Je le cherche. Je cherche, hein, ne vous inquiétez pas. Ok. Waouh. Alors, Nico. Ouais. Donc là, c'est toujours pareil, 1 ou 3. C'est 1 et 3 là. Tu fais perdre 3 points ou tu marques 1 point, donc faut vraiment réfléchir. Ouais, mais. Je te donne les réponses. Non, mais... Ouais, d'abord les réponses. Patrick et Jean-Charles, Benjamin et Omar, Philippe et Grégory. Patrick et Jean-Charles, Benjamin et Omar, Philippe et Grégory. Vas-y, je prends. Tu prends ? Ouais. C'est des beaux prénoms. Le duo de prénoms des spécialistes ouais. Bundesliga sur la chaîne beIN Sports. Celui avec Jean-Charles. Patrick et Jean-Charles. Ok. Oh, voilà. Bien joué. J'ai marqué un... Ça faisait une demi-heure, j'avais pas marqué un point. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est parti là, ça y est. Ah, c'est parti, ça rend le tada. 11 points et 11 points. On va dire à. On va passer à Tom. Là, c'est stratégique, les gars. Là, il reste plus que 20 minutes. Hop. Alors, on y va. Attendez, je cherche que là, c'était des questions tout à l'heure. Pas bonne. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Alors. 5,50. 6 ou 6,15. Tom. J'ai pas compris. 5,50. 6 ou 6,15. 6,15. 5,50, 6 ou 6,15. C'est quoi ce truc là? Tu prends pour un point ou tu refourgues pour perdre 3 points. Ah, c'est faire perdre. Ouais. Je refourgue à Jota. Faire perdre ou gagner, évidemment. Je refourgue à Jota. T'es sûr? Je sens bien la question. Moi, j'en suis pas. C'est bon, je suis pas. Ok. À quelle distance des cages je fais un renvoi aux 6 mètres, Rota? C'est quoi les propositions? 5,50, 6 ou 6,15 mètres. 5,50. Ouais, c'était facile, Tom. Ouais, il veut pas me donner des points là. J'ai pas pensé à ça. Donc, Rota marque 3 points. Il me semblait que c'était la distance. Ça me paraissait logique. Rota, il a presque un pied en finale, les gars. Là, il avait pas besoin de points, lui. Qu'est-ce que tu. Vas-y. Je pensais que j'en perds. Mais si j'en perds, moi je m'en fiche. Faites ce que vous voulez. Non, ouais, je comprends. Alors, Max. Dis-moi. 4, 6. Ou 8. Démerde-toi. Là, je le sens moins. Tu vois, c'est pas du tout piège. 4, 6 ou 8. Est-ce que tu refourgues pour faire perdre 3 points ou faire gagner 3 points? Ou est-ce que tu tentes pour un seul point? Je vais le refiler à Nico. Allez. À Nico? Ah, par contre, ouais. Faut pas que je finisse à 0, c'est tout. Oh là. Comme ça, elle va peut-être tomber dans le négatif. Combien non, j'arrive à 0 pile. Combien de Champions League ont remporté les féminines de l'Olympique Lyonnais?
4, 6 ou 8. Ah, je préférais l'autre d'avant. J'hésite. Ouais, ouais, entre 3 réponses. Non, 4, ah. ça me paraît trop peu. Vas-y, 6. C'est bon! Bien joué! Oh, merci Maxime. Le cadeau de Max, quoi. Merci Maxime. C'est... Je distribue. Non, mais je sais que j'ai fait un petit peu dessus un jour et il faut que ça me revienne en tête. Parce que du coup, il remonte à 6 points et c'est peut-être là, maintenant. Là. C'est bon. Parti. Et il reste... Non, mais j'apprécie. Il reste Rota. Donc, ta question. Enfin, tes réponses, du moins. Alors, hop. Je vais pas refourguer, je vais pas prendre le risque de donner 3 points. Il a pas l'esprit remontada aussi. L'esprit victoire, c'est dans l'ADN du Real. Ah, ouais, c'est vrai. Alors, elle est où celle-là? Ah, écoute bien. Ballspiel, Verein, Borussia. Borussia, Verein, Ballsport. Ou Borussia Spiel, Verein Fußball. Ce que tu prends pour un point, ce que tu refourgues. Oui, je prends. Donc, que veut dire BVB? Tu peux me répéter les trois, s'il te plaît? Évidemment. Ballspiel, Verein Borussia. Borussia, Verein Ballsport. Ou Borussia Spiel, Verein Fußball. Le deuxième. C'est pas bon. Tu gagnes pas de points. C'était Ballspiel, Verein, Borussia. Ah oui. Bah oui, quand même. T'es en point de c'est. Évidemment. Allez, 21 points. Le dernier points. Était louche. 21 points pour Rota. Quelqu'un l'avait? Non. Si? Non, honnêtement. Sur un pif? Non. Sinon... Ah, peut-être avec du pif sur les réponses. Voilà. C'est juste que dans tes réponses, il y a... Le 3 était bizarre. Les autres, elles concordaient pas avec les initiales, ouais, en fait. Il y avait un piège. Le F, ouais. Il y avait un football. Il y avait un piège. Alors, il reste 17 minutes. Allez, on enchaîne. Il y aura le temps additionnel, j'espère. Hein. C'est égalité, ouais. Oh. La compo de l'OM face à Žilina en Champions League 2010-2011, le score de 7-0. Voilà. Oh, bah oui. Alors là, oui. Alors, Montada, elle a pris un coup. 7-0. Une question pour toi en plus, ça. Ah, c'est parfait. Voilà, je regarde, je regarde tous les matchs, moi. Ouais. Hein. 2010-2011, t'as dit? Ouais, compo de l'OM face à Žilina en Champions League. 7-0. Indice, si vous voulez, il y a eu 7 buts. Faut un mec qui derrière. Ça m'aide beaucoup. Si ça vous aide. T'as pas le nom des buteurs? Non. Dommage. J'ai fait ça la première fois. Oh, je suis fait avoir complètement. Ah, ouais. Tu peux donner. Oui, bah oui. Okay. Ça, moi, j'ai rigolé. Ah, ouais. Je m'étais fait avoir. Et si on coupe le micro discrètement? Aïe. C'est quand que je viens au Puy du Fou, le Traguito? Je sais pas du tout. Là. Ça a rouvert, ça? Ça a rouvert? Ça rouvre là, ouais. Ouais. Bientôt. Je sais pas si tu le fais. Robinho a connu l'attaque du Real avec Fornistero et Raoul. Maintenant, il forme une doublette avec Enzo Crivelli. Ah putain. Merci Théo Cotterelle. Bon, moi j'en ai 8. 8 pour Tom, qui met la barre haute. Ou pas. 9. 9 pour Max, dans du Marseillais quand même. En fait, j'en ai 11, mais. Ouais. On va dire 9. Rota et Nico. J'en ai 7, je pense que ça va pas le faire. 7 pour Rota et Nico, le 11 de Žilina, 31 fois. Ah bah voilà. J'en rajoute un, je me mets à 9. 9 pour Tom, 9 pour Max, Rota il va pas, Nico. 10. 10 pour Max. 10, tu viens? J'en ai 10. Eh ben 11, tu viens? 11. Si, ah, je gagne combien de points exactement? Là, si j'y vais pas, il se loupe. Il y a pas de points pour les... Là, ah, c'est 3 points. Ouais, autant participer. Hein. Tu vas à 11 alors? Juste pour essayer de quitte à pas avoir de points. S'il y va, j'y vais, on est 4. Donc, allez, on est mis à dire. On s'en fiche. Allez, c'est
Celui qui a le moins de points, Nico, c'est parti. Valbuena. Valbuena, c'est bon. C'est déjà... c'est... Je peux pas avoir des points bonus en tant que parisien. Rota. Gignac. Gignac, c'est bon. T'as marqué 3 buts. Tom. Mandanda. Mandanda, c'est bon. Max. Aspi. Aspicuta, c'est bon. Nico. Ça devient dur. Ah mais t'as... non, c'est vrai, t'as bluffé que ça, t'en avais qu'un. J'en avais deux. C'est vraiment pas un club que je suis beaucoup. Bah en fait, j'en avais quelques-uns et ils ont été dit. Brandao, il était là à ce moment-là. C'est pas bon. Non. Non, c'est ouais, j'ai tenté, c'était pour... Ah, il reste Rota, Tom et Max. Avec Rémi. Rémi, c'est bon, buteur. Ah, oh, je vais dire celui-là. Tom. Chérou. Chérou, c'est bon. Max. Lucho. Lucho Gonzalez, c'est bon. Si, t'es c'est bon, à moi, là. J'adorais celui-là. Excuse-moi, Rota. C'est à moi. Ouais. Mbia. Mbia, c'est bon. À moi, c'est à qui? C'est à moi, je crois. C'est à Rota, c'est... Après Rota, c'est Tom. Ah. Enze. Ah, Enze, c'est bon, buteur. Max. Diawara. Diawara dans l'axe, c'est bon. Rota. Caboré. Caboré, c'est bon. Nico, il... t'aurais pu... Ah, en fait, Heinze et Rémi, j'avais écrit, mais j'ai pas osé. C'est pas grave. Tom. Je suis observateur. Prendre un risque, mais je crois qu'il était là, c'est Hilton. C'est pas bon. Oh putain, je crois qu'il était là. Il reste Max et Rota. Mais on en a combien, là? On a cité combien? C'est vrai. En fait, c'est... Ouais, c'est... Tu t'es gouré, Tom, mais c'est... Tout est cité, là. Ouais, je pense qu'il y en avait largement un parce qu'on a fait 3 tours plus. Ouais. 3 tours plus Speed plus Nico, ça faisait, je pense que. Ouais. Mandanda, Speed, Diawara, Mbia, Ainsu remplacé par Taiwo, Caboret, Cherou, Lucho Gonzalez, Valbuena remplacé par André Ayou, Gignac, Triplé remplacé par Brandao et Rémi. Sur Marseille, là. J'avais dit combien de points? 2 points. Et du coup, j'ai pas de points. Qui ça? Toi? Non. Ah, c'est piégeux. Bah, tu gagnais juste quand il fallait pas. Bah, si, on avait fait les 11, non? Mais ah, les 11, il les a, non? Tu m'as interrogé. Ouais, coup, je sais pas. T'es déjà 6, je sais pas, il pouvait pas en dire d'autres. Ouais, voilà. Ah, mais il s'est gouré, quoi, tu vois. Ouais, mais j'avais pas compté, c'est pas grave. Ah, du coup, c'est tendu, là. Ah, c'est... Moi, je fais pas l'arbitre. La barre. Qui fait la barre? Moi, je peux, si vous voulez, hein. De toute façon... Mais 10 points chacun, c'est bon. Ah, du coup, ça écarte Tom. Alors, il y a les refourgues, mais bon. Tom, tu valides? Nico, tu valides? Ah, oui, c'est bon. Ah, t'as vu le geste du Parisien, Tom, ou pas? Non, pour de vrai, je trouve ça un petit peu injuste qu'il ait pas le point, parce qu'il a été mis en difficulté alors qu'ils avaient déjà fait toute l'équipe, ouais. Et du coup... Je trouve que j'ai pris un risque, hein. J'ai dit Tom, quand même. J'étais sûr qu'il avait joué ce match-là. Mais après, faut pas qu'on traîne trop, parce que les rondadas, ça prend du temps. Et... Il reste 10 minutes, vrai... 10 minutes. Pour de vrai, moi, je donne le point à Tom aussi. Pour l'instant, Rota est en finale. Ouais. Je pense que, à moins que tout le monde tombe sur lui, voilà. Max et Tom ont 13 points, donc il y a une bagarre. Et Nico a 6 points. Ça va. J'en ai combien, moi? T'en as 25. Je pense que t'es peinard, mais... Les gens peuvent tout se tomber dessus. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir. T'as un truc à faire, on se rejoint dans un quart d'heure. Il peut y avoir une haine pour toi d'un coup, tu vois. Ah ouais. Alors, Nico. Oui. On est parti. Alors. Je te donne. Tac, tac, tac. Alors, son demi-frère, son cousin, son meilleur ami. Vas-y, je prends, c'est la même. Qui est Jerez Kembo et Coco par rapport à qui est Mbappé? J'en ai son cousin. C'est pas bon.
Ah, mince. Demi-frère. Ouais. Demi-frère. Joue en Turquie. C'est ça. Alors. Tom. C'est moi. 8, 10 ou 12. Je prends, même si les chiffres c'est pas trop, mais bon. Tu prends ? Faut gagner des points. Alors, quelle est la largeur maximale des lignes tracées sur un terrain de foot en épaisseur en centimètres ? Tu m'as dit 6. 8, 10 ou 12. Et là, on regrette d'avoir pris. Je pense que c'est 10. C'est 12. C'est pas bon. Alors là. Alors, Max. Ah, c'était dur. Hein. Dis-moi tout. Max. Ben et Ulreich. Sven et Lars ou Thorsten et Tobias. C'est que des Espagnols, ça. Ouais. Si tu prends pour un point, est-ce que tu refourgues? Je prends. Tu prends. Les prénoms des jumeaux Bender. Ben et Ulreich, Sven et Lars, Thorsten et Tobias. Sven et Lars. Bien, un point. 13 points. Un point stratégique, parce que... Bien joué. 14 points pour Max. Rota. Alors. Rota. Henri Fort de Montmirail. René Dufort de Montmirail. Ou Godefroy de Montmirail. C'est facile ça. Ça dépend de la question. Je vais prendre. Tu prends ? Ah. Qui est le fondateur de l'OM ? De l'OM ? Ouais. Le René ? René ? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. René Dufort de Montmirail, c'est ça. C'était facile que Henri Ford, voilà. Godefroy Montmirail, c'est facile. Ouais. Un point. Il n'y a pas une question à 15 points, là ? 20. 26 points, je crois que t'as le record, Rota. De... Est-ce que j'ai le record en non, bas non. Oh, ça va alors. Ça va. Enfin, ça, je suis pas satisfait, mais ça pourrait être bien. Allez, une question chacun, mais là, il n'y a pas de. Tu refourgues. Hein. C'est soit tu gardes les points, soit. Voilà. Et c'est une question à 2 points. Je peux en avoir 4. J'ai bon. Alors, Nico. Ouais. Alors, des trois joueurs que je te cite, qui a marqué le plus de buts dans sa carrière en Ligue 1, au nombre de 19 ? Khalifa Koulibaly, Ludovic Ajorc ou Yaya Sanogo ? Pour 2 points. Koulibaly ? Non, c'est Ajorc. C'est dur. Enfin, je sais pas si vous l'aviez, vous, mais... Il a fait une grosse saison à Jorque l'année dernière. Ça, c'est 19, c'est pas énorme. Donc... Tom. Question à 2 points. Combien de Champions League a gagné Mourinho ? 1, 2 ou 3 ? Il en a gagné 2. C'est bon. 2 points. La pression va être pour Max. Je m'embrasse. Concentration. Alors. Qui a gagné la Champions League parmi ses joueurs ? Il n'y en a qu'un, évidemment. Dante, Thiago Silva ou Oscar ? Thiago Silva. Pardon, Dante. Je comprendrais qu'on ne l'accepte pas, mais Thiago Silva qui gagne avec des champions, quand même, personne ne l'aurait dit. Non.
Comment ça se passe là, du coup, l'arbitrage là? Non, on peut me le retirer. C'est Dante avec le Bayern, mais on peut me le retirer, y a pas de problème. J'ai parlé trop vite. On fait ça au vote. Qui valide le point qui valide le point de Max? Moi, je validerai. Moi, je valide. Il a corrigé super vite avant qu'on réagisse. Tom, tu valides ou pas? Moi, je me prononce pas. Non, moi, en vrai, il n'y a pas l'unanimité. Je la laisse à Tom, pas de problème. Je trouve qu'il a même pas fini sa phrase. Non, il a corrigé, on n'avait rien dit. Oscar, il est. Non, il n'était pas à Chelsea en 2012. Non. Après, je comprends que Thiago Silva passionne. Moi, voilà. Non, mais je me suis dit, putain, mais Thiago Silva, jamais de la vie. Ouais. Et c'est sorti de ma bouche. Mais il n'y a pas de. Non, tranquille, il n'y a aucun souci. J'aurais dû réfléchir. Rota, qui n'a jamais gagné la Champions League? Thiago Silva. Le PSG. Alors, c'est ça, la question comme ça, tu dis ce que tu veux. Non, je rigole. Luca Toni, Thiago Alcantara ou Skrodran Mustafi? Mustafi. Non, c'est Alcantara. Le Barça, c'est peut-être pas. Hein? Bah, avec le Barça, il ne la gagne pas en 2014. Non. À contre Tara, je vérifie quand même. C'était le seul dont je pensais être sûr, donc pas de regret. Tu marques pas de points, en même temps, c'est pas trop grave. Et Mustafi, il a gagné avec quel club? Mustafi, justement. Je vais vérifier. Pas avec Paris, ça c'est clair. Non. Mais avant d'aller à Valence, il était où? Ah, peut-être à la Juve. Non, mais pas la Juve. Non, en Allemagne. Bah, Schalke, ils ont gagné. Après, ça veut dire que s'il y en a deux, j'ai sorti le seul. C'était une Coupe du Monde. Ah non, c'était. Attends. La Coupe du Monde, il a gagné. Attends, la question était en dessous. C'était qui? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, c'était qui n'est pas champion du monde. Pardon. C'est pas grave, en même temps, on s'en fout. C'est qui n'est pas champion du monde? Qui n'est pas champion du monde, je l'aurais eu, parce que Thiago Alcantara l'a pas gagné avec l'Espagne. Ouais, ça ouais. Mais c'est pas grave. En fait, t'es tellement fort, on essaie de changer les questions. C'est ça, tu sais. Je me disais, Mustafi, qu'est-ce qu'il a gagné comme champion de cigare? Ah, on cherchait là. C'est pas possible. Non, erreur de ma part. Donc, 88ème minute, les amis. On va faire quoi? Il faut aller vite. Un petit dernier 11, allez. Un petit dernier 11. 11 à 16 points. Un petit dernier 11. Je vous le dis, je participe. On va faire celle-là, elle est pas mal ça. La compo de Man City face à Schalke 04 en Champions League. Retour 2018-2019, le 7-0. Pour finir. À 3 points. Après, c'est pénalty. 2018-2019, t'as dit ? 2018-2019, ouais. Ouais. Mustafi, je me disais, putain, c'est quoi ce délire ? Ouais, je me disais, mais c'est. Il est pas ultra ouf ce joueur en plus, je trouve. Ouais, non. Il est assez surcoté, Mustafi. Non, c'est pas énorme. Bon, il y a un duel entre Tom et Max, en gros. Hein. 15 et 16 points. Rota 26, Nico 6 points. T'es pas... Moi je fais l'arbitrage vidéo. Non, c'est pas. Compo de Man City. Face à Schalke Nufir en 8ème de finale, retour 2018-2019. On rentre dans le temps additionnel. Suspense entre Tom et Max. Qui est devant là? C'est lui? C'est toi d'un point. J'en ai 11. T'en as 11? T'as le 11 quoi? 11 bancal. 11 bancal. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, il faut qu'il tente forcément, il a un point. Genre, j'en ai 3 ou 4 de sûr, et les autres, vu qu'ils ont un effectif tellement large, je me dis, tant les autres étaient blessés, mais j'ai tout tenté quoi. Max, je suis obligé d'y aller. T'es obligé d'y aller. Rota est pas obligé, Nico est obligé. Ouais, moi j'y vais pour le principe. Rota, t'y vas ou pas? Non, allez, je les laisse. Nico, t'y vas? Grand prince. Ouais.
Ok, Nico, Tom et Max, on va commencer par Nico. C'est parti. Si je me trompe au premier, c'est quand même... Si je me trompe au premier, tu perds, tu perds 6 points d'un coup. Vas-y, ah vas-y. Oh, si j'ai bon, ça, je monte ou... Si t'as bon... Non, non, mais... Vas-y, vas-y. De Bruyne. De Bruyne. Il était blessé, non? C'est pas bon. Oh là là. Comme ça, le duel, je mets une musique suspense... Le duel entre en fait, je voulais pas les embêter. Et Max, le duel pour la finale, les gars. Alors là, j'ai une équipe à trouble, là, va falloir que je sois bon. Ederson. Ederson dans la cage, c'est bon. C'est ça que j'aurais dû tirer. Tom. Le roi Sané. Le roi Sané, buteur, c'est bon. Bernardo. Bernardo Silva, c'est bon. Aguero. Aguero, c'est bon. Double buteur. Sterling. Sterling, c'est bon, buteur. Je vais dire Walker. Kyle Walker, c'est bon. L'autre Silva. David. David Silva, capitaine, c'est bon. Laporte. Laporte, c'est bon. Gundogan. C'est bon. Oh là là. Comment il s'appelle? Ouais, j'hésite là. Je vais dire Stone. C'est pas bon. Tu vas pas en finale. Aïe. C'était Danilo à côté de la porte. Zinchenko. Oh. Donc Bernardo Silva, David Silva, Gundogan, Sterling, Aguero et Sané. Donc c'est Max et Rota en finale, les amis. Ah, bien joué. Bien joué, Tom, quand même. Bien joué, Tom. Jusqu'à bien la joué. Fin. Moi je crois qu'on a arrêté d'y croire à 22h, mais je me suis battu. Allez, on y va avec les tirs au but. C'est quoi ça du coup? Alors, les pénaltys, c'est chacun donc à 5 questions, chacun son tour. Et puis donc, soit tu réponds cash comme Nagui, tu réponds cash. T'as 3 points, soit tu réponds avec des propositions, tu marques 1 point. Faut être stratégique aussi. Ok. Et donc t'as le choix entre questionnaire A, questionnaire B. Y a aucun incident, c'est juste que tu choisis. Sans indice. Ah ouais, sans indice. Ah, y a pas le nom du questionnaire. Non, non, c'est A ou B. Chut, ça sert à quoi de choisir? Sans vouloir critiquer les règles, attention. Ah, c'est comme ça. Rota, tu choisis quoi? On va faire un choix entre l'A ou le B, là? Ouais. Prendre le A. Prendre le A, ok. Donc, t'as le B, Max, ça va, hein? Comme bien ça, c'est parfait. Alors, on est parti, les amis, avec donc les pénaltys. Merci, continuons, hein, pour les questions. On est parti. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la C3, de l'Europa League, et UEFA comprise? Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la C3? C'est pour qui? C'est pour Rotterdam. Ouais. Cash ou proposition? Proposition. Proposition pour 1 point. Henrik Larsson, Radamel Falcao ou Untelar? C'est là. Larsson, ouais, c'est bon. 40 buts. 1 point. Là, faut être stratégique à fond parce qu'en gros, si tu gourres au cash, compliqué. Ah, je vais être fair play, j'ai dit à Untelar et t'as dit que c'était Larsson, donc j'ai pas bon. Ah merde, j'ai compris. Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre, mais je voulais pas être pénible. Et... J'avais compris la A. Oh, t'as vu ça, l'esprit du mais Real. Bel esprit, hein. L'esprit du Real, magnifique. C'est beau, c'est pas du tout madrilène ça, mais. Non, bon. on se trompe de club, hein. Donc pas de but marqué. Arrêt de Mandanda. Eh oui, c'est une grande spécialité en plus les pénalties, d'habitude il n'en arrête pas. J'ai mis à côté, on va dire. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, Rota, bien, félicitations, tu aurais fait le record de points, 26 points. Bravo. Alors, on y va avec donc la question pour Max. Quel est le club le plus titré en C2? La vieille C2, la Coupe des Coupes. Proposition ou cash? 3 points ou 1 point? Proposition. Le Barça, Milan ou Chelsea?
Milan. C'est pas bon. C'était Barça. Barça 4. Pas de but. Arrêt de Courtois. Ou Areola. Non. Restons réalistes, Courtois. Alors, deuxième question pour Rota. Dans le film Hooligan, merci, Cantigno, en 2005, quel est le club rival de West Ham United? Proposition ou cash? Ah, proposition, je m'en rappelle plus. Proposition, donc, Millwall FC, Arsenal ou Chelsea? C'est Millwall, je crois, oui, c'est Millwall. Le but marqué. Je suis allé visiter le stade il y a 2 ans en plus, je sais. C'est vrai? Je suis allé voir mes... Premier but de Isco. Ah, très bon choix. Alors, question pour égaliser. Bounassar en face de Courtois. Putain, la pression. Ah, la pression. Oh putain. Quel club est au centre du film Ultra en 2020? Je l'ai pas vu. Proposition. Ah, proposition. Naples, Lazio de Rome ou Liverpool? Naples. Bien joué, égalisation. Bounassar qui marque une lucarne. Eh ben voilà. Complètement au hasard. Bounassar, quoi. Même son tiré. Non, c'est un bon joueur. Enfin. Si, si, il vaut 15. Il vaut 15. Il vaut 15 pour ses vidéos. Toi, tu veux les 60 millions d'euros là pour le. Pour les trouver. Non, faut les trouver. Là. Alors. Un partout. Question numéro 3 pour Rota. Vinicius contre Mandanda. Mauvais choix. Qui a créé la Coupe du Monde? Proposition ou cash? Un français, donc je vais dire cash, Jules Rimet. Jules Rimet, bien joué. Il y avait Jules Rimet, Coubertin ou Henri Delaunay. 4 points. Belle lucarne de Vinicius. Hein. Ouais, pas finalement. Du coup, il met la pression. Valère Jamin qui s'engage. Attention. Oh putain. Oh, ça. Ouais, enfin, après. Mais je trouve que c'est pas un si mauvais joueur que ça, Germain, quand même. Non. C'est pas une brêle, quoi. C'est moi à Rennes. À Rennes, je le prends, hein. Si tu veux bien entourer, il met ses... Et bien, on fait un échange. On se tape dans la main. Pas échange, mais... Ça te dit, on te file Germain, tu le donnes Camavinga? Oh, putain, ah oui. Il va venir chez nous, Camavinga, les gars. Vous battez pas. L'année prochaine, ouais. Non, mais, ouais, pas cette année. C'est possible. Tu vois, je sais pas, tu me donnes, je sais pas, 10 millions plus Germain, quoi, tu vois, pour Niang. Germain, il ferait pas un mauvais boulot, en vrai. Moi, je pense pas, hein. Il était bien avant Marseille, je trouve qu'il était pas mal. Bah, Nice, Monaco. Mais à Marseille, ça marche moins, je trouve. D'ailleurs, il y a un bon article chez vous, Tom, sur Valère Germain. Quoi? Il y a un bon article chez vous qui est sorti sur Valère Germain. Ah, bah ouais, bah, chez nous, tout est bon. Entre Marseillais, sauf le club. Entre Marseillais, ils mettent de la pommade. J'adore ce que tu fais. alors, quelle nation a perdu le plus de finales en Coupe du Monde? Cash ou proposition? Cash, Angleterre. C'est pas bon, c'était l'Allemagne. 4, non? Ouais, tir au-dessus de Germain. Normal. Voilà. Quatrième question pour Rota. Quel sera le prochain naming de la Ligue 1? Ça va. Cash ou proposition? Proposition.
Proposition, Uber Eats, Just Eat ou Leroy Merlin? Uber Eats, il me semble. Uber Eats, ouais. Quelqu'un l'avait en cash? Oui, normalement. Oui. Ouais. Un point. Il te laisse une chance, du coup. Ouais. Il est à combien? Il est à 4, t'es à... Il est à 4. Hein. T'es à 5 et t'es à 1. Ok. Bon. Il faut du cash, là. Bah, c'est... Ouais. Et puis, c'est but en or, là. Si je rate... C'est ça, exactement. Alors, on est parti. Question numéro... Ah, c'est vrai que le B était un petit peu plus dur. Tac. Qui est le plus jeune joueur à participer à un match de Ligue 1 de l'histoire? De l'histoire? Ouais, de la Ligue 1. Plus jeune joueur. J'ai un énorme doute. Je sens que je vais dire une énorme connerie. Après, il te reste une question derrière. Donc, si tu ouais, mais bouffonne, ça va pas. Cash Paganelli. C'est bon. 15 ans, 10 mois et 5 jours. J'ai eu peur que Cherki l'ait battu en fait. Donc, il avait, ouais, ah, il avait 16 ans, Cherki, peut-être pas 15 ans. Hein. Ouais, ok. Bien joué. Ah, joli. 5 à 4, c'est serré. Donc balle de match pour Rota. Haha. Une place en finale pour une Porsche. C'est moi qui donne les cadeaux. Ah mais attends. Je l'ai déjà. Et la Nico là. Voilà. Oh putain mais merde mais je comprends pas. Tu m'as pas dit. Alors, qui est le premier ballon d'or France Football sud-américain? Sud-américain. Cache aux propositions. Proposition. Proposition. Ronaldo, Romario ou Maradona? Romario. C'est Ronaldo, 97. Romario l'a pas en 95? Moi j'ai. Maradona l'a pas eu, c'est sûr. Ça c'est, c'était pas encore d'actu. Écrit. Moi je suis confondu. Autant. Romario. Ballon d'or. Bah, reçu. Il aurait mérité le ballon d'or. Non, il a reçu un objet en or qui a récompensé sa super année. Mais c'était pas celui dont on se rappelle. Okay. Il a eu le droit au 11 d'or. Super. Je sais qu'il l'avait. 95, c'est qui l'a? Ouéa. C'est Ouéa. C'est Ouéa. Je peux pas avoir 40 points bonus d'un coup. Ah, le piège de fou, Romario. Putain, la vache. Mais t'es quand même derrière Rota avec 40 points. Ouais, mais je suis moins en bas. Du coup, bah. Dernière question. Déjà, est-ce que t'as plus de 5 questions? C'est-à-dire, si je dis proposition et que j'ai bon, et que j'égalise. Ah, oh, t'inquiète, je trouverai. Ok. Je veux pas te mettre dans la merde non plus. Non, tu t'inquiète. Vois. Non, dis-moi. Alors. Qui est le premier ballon d'or espagnol? C'est vrai? Hein? C'est la vraie question? Ouais. Il y croit pas. C'était pour Rota. Ouais, je l'aurais eu en cash. Tu l'aurais eu en cash, celui-là? Ouais. Proposition. Alors, Emilio Butragueño, José ou Rosé Santamaria ou Alfredo Di Stefano? Di Stefano? Ouais, c'est bon. 5-5. Comme la semaine dernière. 5-5. Alors, on va se départager avec... Ah, il avait bien joué, Quentin. Il m'avait fait une question au cas où.
S'il y avait égalité, justement. Alors, question en chair. Quels sont les clubs entraînés par Claudio Ranieri? Il y en a 46. Il y en a 1000. Ah ouais, club et sélection? Non, club. Il y en a une pas juste longue. Club. Ouais. Il y en a une palanquée, hein, ça c'est clair. Ranieri. Il en a fait 6000. 4. Alors, sur ce que... Il y en a 17. Ah, ce n'est pas bon, 4 sur 17. J'en ai plus de 4. Donc c'est simple, celui qui dit qu'il n'y en a plus 4, donc il le prend, mais si tu te gourres, c'est l'autre qui va en finale. Bah, je dis 5, du coup. 5 pour Max. 6. Non, pour Rota. Ah, pour Rota, excuse-moi. 6. Ouais. Donc je peux pas dire 7. Hein. Pour il en a 6 là. Même plus. Rota, il a 17. J'ai 17. Ah, 7, excuse-moi. Une Porsche en finale. 8. Non, maman, on m'avait pas dit. 8. Je vais dire 11. Oh. Ouais, bon, allez. Alors, Rota tout seul. Attends, c'est pas terminé, il peut se planter. J'ai dit 11, c'est ça? Ah, t'as dit, mec, il a bluffé. Tu t'es emballé, t'as cru, j'allais dire 12. J'en ai 5, mais non. Mais... Allez, Rota, c'est parti. On t'écoute. Alors, Naples. Naples, c'est bon. La Fiorentina. C'est bon. Monaco. Monaco, c'est bon. Valence, c'est bon, on a 4. Roma, c'est bon, 5. Inter, 6. Nantes, 7, plus que 4 et il va en finale. Leicester, forcément. Leicester, ouais, 8. Parme, 9, plus que 2. La Sampe de Radogène, plus que 1. Actuellement. La Juve, je pense qu'il a fait déjà. La Juve, ouais. C'est bon. Bravo, Rota. Bravo, bravo, bravo. Il y avait Vigor Lamezia, Campania FC, Cagliari, Naples, Fiorentina, Valence, Atletico Madrid, Chelsea, Parme, Juve, Rome, l'Inter, l'AS Monaco, Leicester, FC Nantes, Fulham. Et là, il est à la Sampe d'Oria. Il a fait la moitié de la série. Bravo. Le meilleur a gagné. Bravo Rota. Je dois dire. 26 merci. Points. Bravo. Non, ouais, franchement, qu'est-ce qu'on pense, Nico, de ce quiz? T'étais préparé? J'étais préparé, mais pas sur ces questions-là. Ouais. Et je suis un peu trop lent sur les qui suis-je là. Ça allait trop vite. Et après, j'étais un peu trop admirateur de Rota qui avait un niveau. Voilà. C'est très fort. De Rota. Tom, c'était pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Ah, c'est les questions sur les années 2000, ça m'a un peu tué. Sinon, le reste, ça va. J'ai un peu. Max, donc pas de Marseillais. Enfin, si, y en a un Marseillais en finale. Ouais, il y a Lucas de One Football qui va sauver l'honneur. Mais Max, c'est pas loin non plus, hein. Non, pas loin. Mais je pense que le meilleur a gagné, donc chapeau à lui, félicitations. Il mérite amplement sa Porsche. Donc ça, on s'arrange avec Thomas. Il y a un bon niveau, je trouve, quand même. Ouais, enfin, je sais carrément. Pas si, on est les... mais c'est... si, il y a du lourd. La Porsche, on va voir avec One Football, justement, si c'est possible. Ça va être tout. Et je prendrai ma revanche, moi. Oui, carrément, on fera d'autres. Donc Rota, bravo, ouais. Semaine prochaine, finale. Contre, du coup, il y aura un Barça-Real avec Loguito. Il y aura un Barça-Real, il y aura un Lillois, il y aura un Strasbourgeois, un Marseillais et donc le footballeur pro mystère. Petite pub, tiens, chacun, je vais mettre des liens dans le chat. Nico, qu'est-ce que tu fais? Oui. Très brièvement, commente toute l'actualité sur le PSG, on prend tout ce qui peut être rumeur, déclaration, on essaye d'ajouter.
tout ce qui est possible parce que, bah, mine de rien, des fois, les déclarations de spécialistes, les chiffres, ils peuvent être mauvais ou trucs comme ça. Donc, on essaie de faire attention, de rappeler des choses, donner des arguments. On a des exclus aussi, pas mal cette semaine pour les Parisiens, là, si vous voulez venir. Voilà, je me permets. Là, les plus récentes, il y a le fait qu'on travaille. Mais ça, d'autres médias l'ont dit qu'on travaille sur Savic et Marusic ensemble. Sauf que on prendra Marusic que si on a Savic, normalement. Ah, tu touches des thunes s'il y a transfert ? C'est n'importe quoi. Non. On veut se débarrasser de Draxler ou Hertha Berlin. Ouais. Quoi, s'il veut rester chez nous, mais c'est des problèmes d'argent avec son entourage. Voilà. Et sinon, ouais, on essaie de tout suivre sur le PSG. On fait quand il y a des matchs, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Bah, on fait des notes. On va voir ce qui se passe lundi ou mardi. Hein, Conseil d'État, décision. Peut-être que ça va reprendre. Ouais, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'on reprendra tout de suite, mais. En tout cas, j'ai partagé site parisfan.fr. Bon, il y a le Twitter, il y a. Je peux faire une dernière phrase. Vas-y. On essaie de développer YouTube. Là, on est reparti sur des podcasts et des interviews, mais bon, bah, comme beaucoup de choses, le confinement nous a arrêtés, mais bientôt ça reprend. Voilà. Jerry qui me dit Thomas fait l'admission version foot à laquelle un candidat à culture foot repart et de l'argent. T'es marrant, toi. J'ai pas d'argent, moi. Enfin, je trouve des trucs. Tom, j'ai le site internet peuple.net, mais il y a tout de marqué. Explique ce que tu fais un petit peu. Moi, je suis rédacteur pour Peuple Olympien, donc on fait beaucoup d'informations, d'actualités, surtout sur Twitter. C'est là que réside notre principale activité. Après, on a notre site internet qui est flambant neuf, magnifique. Parce que je vais partager justement. Voilà, c'est ça. Et on compte dans les prochaines années, d'ici, allez, voyons sur le long terme, 5-6 ans, on compte. Concurrencer le principal média olympique de Marseille, qui est le Fossé. Mais avec des moyens différents, un style différent, voilà, pour laisser aux gens le libre choix. Ambitieux, donc. Voilà. Et en parallèle, j'ai aussi créé un compte Twitter qui s'appelle Football Design, qui traite toute l'actualité des maillots de foot, stades de foot, création football. Donc, en parlant, vu qu'on fait un petit quiz, j'ai aussi organisé à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, un concours de création maillot avec plusieurs graphistes. Ok, cool. Allez jeter un coup d'œil. Parfait. Et vous êtes tous rédacteurs aussi, sur OneFootball, tous. Hein. Ils partagent vos articles, quoi. Je pense que c'est publié sur OneFootball. Voilà. Max, Ultimo Diaz. Exactement, Ultimo Diaz, donc site d'actualité foot généraliste qui existe depuis maintenant 5 ans. On travaille principalement sur le site internet, donc ultimodiaz.fr, sur lequel vous allez retrouver des dossiers divers et variés, un petit peu de Bundesliga, un petit peu de Liga, un petit peu de Ligue 1, avec notamment Ibrahima Diallo qui nous accorde une interview il n'y a pas longtemps. Pour le reste, on travaille notamment de temps en temps avec nos amis de Bein Sports, ce genre de choses. Donc, allez-y, faites un tour. Et puis, si ça vous plaît, restez-y. Hein, y a plein de choses qui arrivent. Avec la reprise du foot, il y a plein de choses qui arrivent. Ça marche. Rota, toi, Real France, je partage le site aussi. Je pense qu'il y a tout de marqué. Facebook, qu'est-ce que c'est ? Enfin, Real France, qu'est-ce que c'est en même temps ? Mais, vas-y. Real France, c'est le premier média digital du Real Madrid en français. Ah ouais ? Ok. Yeah. En termes d'abonnés, voilà, on traite l'info, l'actualité, commentaire de match, résumé de match, dossier également historique. Donc, il y a un peu de tout. On est très 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 varié. On a une grosse équipe de rédacteurs. Donc, d'ailleurs, je les salue tous et les admins également. Je salue tout le monde et l'info du Real, elle se passe sur real-france.fr. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux. Une exclue pour Camavinga, c'est l'année prochaine, tu me le laisses un an ou pas ? Ouais, je pense pas qu'on sera très actif sur le marché des transferts dû à la période de pandémie, mais Camavinga, je pense que si ça se fait, ça sera pour l'année prochaine. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Peut-être qu'on se verra en Champions League. Peut-être qu'on se verra en Champions League, peut-être un Real Madrid en poule, ce serait fantastique pour Rennes, évidemment. Pour Madrid, ce serait cadeau. On sait jamais, on avait galéré à Auxerre, on a perdu à Lyon, c'est jamais ça. Ouais. Mais bon, si on avait l'air germain, bon. Franchement. Il a raté le penalty en plus.
C'est ça, en plus, il a raté, il a tiré au-dessus. Merci, les gars. Merci à OneFootball aussi de m'avoir permis de faire vos connaissances. Merci à Wizwedge aussi pour les questions. Il y a tout marqué en description. Merci à Quentin pour le pénalty très, très difficile. Donc, on se retrouve pour la finale avec Rota la semaine prochaine. Mercredi ou vendredi, parce que jeudi, il y a la reprise de la Liga. Donc, du coup, je pense que je commenterai donc mercredi ou jeudi. Je ferai des propositions. Et vous me direz quelle date vous serez. Donc merci aux gens sur le chat, c'était cool. Real France, c'est meilleur. Et vous remercie pour le travail que vous faites. Voilà. Il y a plein de... Merci, c'est gentil. À 330K, je crois, sur Twitter. C'est ça, ouais. 335 même. 335. Bon. Vous avez perdu contre Monaco. Monaco-Real, c'est vrai. 2004, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai aussi. Monaco était imbattable, c'est vrai. Je vous laisse le mot de la fin, les amis, si vous voulez dire quelque chose. Petit coucou ou... Allez-y. Moi je vais dire que c'était bien sympa, même si le résultat n'est pas celui espéré. Mais s'il y en a d'autres, je sais pas, si un jour tu veux refaire des quiz, je trouve que ce serait une belle idée. C'est sympa de connaître d'autres gens, voilà, et ça m'a fait plaisir. Carrément. C'est bon pour vous. Merci à toi, Tom, merci à tous, c'était super agréable, les gars. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un bon moment. C'était top, voilà, c'était riche en culture, donc toujours appréciable. Carrément, excellente soirée. Merci Tom. Merci à tous les trois aussi, parce que je ne vous connaissais pas et ça permet, comme l'a dit Nico, d'apprendre aussi à se connaître. Merci OneFoot, et je fais juste une petite dédicace pour Corentin et Théo qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu toute la soirée sur le chat. Tom ? Écoute, moi pareil aussi, je te remercie d'avoir pensé à nous, Peuple Olympien, pour participer. Et en parlant de Peuple Olympien aussi, j'embrasse toute l'équipe qui fait un travail formidable depuis la création. Donc voilà. Et je reviendrai plus fort. Toujours pareil. Je fais une petite dédicace aussi à mon pote Théo, je sais pas s'il regarde encore, et à mes parents. Allez, merci à tous. Moi, je vous dis à très vite, peut-être demain, ou on verra pour un live. Demain, il y a la Bundesliga. N'oubliez pas que le football est avant tout un sport populaire et pas que du business. Toujours pareil. Générique de fin. Ciao, ciao. Salut, les amis. Restez en off, les quatre, hein, que je vous dise au revoir. Ciao, les amis. Ciao, ciao.
I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corpus, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't want your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. C'est une petite vingtaine encore. Merci les gars. À demain pour un live ou je sais pas quoi. On verra. Je suis en train de voir pour les inviter la semaine prochaine aussi dans Game of Foot. Il y aura du lourd. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, ciao. Merci. Fin de transmission. Merci de votre fidélité, les amis. Ciao, ciao. Demain, à Koh-Lanta aussi. Très important. Allez, ciao, les amis. I'm up in the greenhouse, ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound, fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah, tell